Et bonsoir, mes petites madeleines de l'amour et de la joie que j'aime très fort et que je suis très contente de retrouver pour ce Peur sous la couette spécial vendredi 13. Les amis, l'horreur est au rendez-vous. Nous sommes ensemble pour une nuit de folie, bien évidemment, à base de peur, de jumpscare et de jeux tels qu'on les aime, comme vous pouvez le voir ce soir. Les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Bienvenue, Alex, dans le monde des madeleines. Bien évidemment, bienvenue à toi, bienvenue à tous. Salut David, salut Hotmail, salut Sébastien. Mon Cédric, Léona et Eva, Alex Hybride, bien sûr. Je suis prête et j'ai beaucoup de superstitions. Je le disais tout à l'heure, on a tous ces croyances et ces, je pense, hein, ces petites superstitions, ces petites habitudes. Moi, je suis assez superstitieuse parce que mon papa l'est. Et par exemple, un chat noir qui passe devant la voiture, je fais demi-tour, des choses comme ça. Donc voilà, bon, on a tous ces petites croyances. Et donc forcément, vendredi 13, il fallait que ce soit un peur sous la couette. Voilà, salut ma petite Sandra, ça veut dire qu'on va pouvoir balancer le générique. Déjà, c'est une bonne chose. Geek, Docteur Who, Chloé, mon petit Eclipse aussi. Alors, mon petit ou ma petite, j'ai toujours peur de me tromper, n'hésite pas à me le dire. Eclipse, toujours, c'est toujours Noël quand Eclipse est là. Lida, Emilien, Création Vidéo Live, ça va très bien. Stacy, Pierre, Draco Dark, bien sûr, hein, vous étiez là pour le stream de cet après-midi sur Dragon Ball Z. Carotte sur PS5, c'était très bien, on s'est bien marré, même si c'était pas long. Ma petite Cristal, Mélissa, bien évidemment, Julien, Jérém, Alison, Eric, Mathieu, Boulet, Fabrice, Zélia, bien sûr, le départ pour la Perrance. Alors, je vous explique le programme de ce soir. Je vous avais demandé un petit peu votre avis sur ce qu'on pouvait faire. Et en fait, j'ai opté pour un jeu que j'avais pas encore fait. Et en fait, c'est une série de trois jeux. Une série qui s'appelle Lost Alone. Ça a été fait par les créateurs de Wook Knows, auquel on a joué il y a 2 semaines et qu'on avait trouvé incroyable. Et en fait, je me dis que les mecs, ils ont vraiment la formule. D'ailleurs, vous reconnaissez un petit peu le setup avec le petit cerveau en bas. Enfin, on reconnaît la patte des mecs. Je crois que c'est Dozen Mother Studio, mais il faut que je regarde. Vous avez vu, je le dis bien à l'anglaise, Dozen Mother. Ils sont très très bons, je trouve. Enfin, j'ai kiffé l'expérience la dernière fois. Donc voilà, ils ont fait 3 jeux. On va faire le premier. Le troisième est sorti en juin 2022. Donc il n'y a pas si longtemps en fait. Et donc c'est une histoire de famille maudite. Et là, on commence par le premier épisode, la petite sœur. Voilà, et je crois que d'ailleurs derrière il y aura je crois qu'il y aura le père. Ensuite il y aura la grand-mère. Enfin bon, c'est l'enfer. Ce sont des jeux que je trouve sur Steam. Et qui parfois font des petits ralentissements, des trucs comme ça. Donc si ça part en vrille, évidemment, j'ai d'autres jeux disponibles, notamment Visage, hein, puisque vous avez cité Visage. En fait, je vous avais demandé dans les commentaires, enfin dans la zone communauté, si vous aviez des idées. Voilà, moi je vais vous faire plaisir. C'est vendredi 13, donc l'idée c'est de se faire peur, quel que soit le jeu. Et salut mon Captain Firo, qui est là ce soir. Voilà, merci mon Captain d'être là, c'est magnifique, bien sûr. Wook Knows, je crois que c'est Dozen Mother Studio, mais ouais, j'ai un accent un peu bizarre. Lost Alone... jeu d'horreur, et je vais vous dire exactement, c'est Doesn't Matter Games. Voilà. Et ils sont très très bons. Et justement, Lost Alone, donc Sorelina, c'est le premier épisode. Il avait été très très bien reçu. Il y a de très très bonnes critiques. Et comme d'habitude, bah, quand je veux faire des jeux dans Peur sous la couette, je regarde toujours déjà essentiellement des jeux que j'ai pas fait quand même, sauf si c'est des résidents et tout, qu'on veut faire un délire. Mais voilà, des jeux que je connais pas pour pouvoir sursauter à fond et qu'on s'amuse. Voilà. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Le néon va bien. Cap, tu vois, j'ai fait une ambiance toute rouge ce soir. Rouge comme le sang, bien sûr, qui va couler ce soir. Donc on est très très bien, la déco est pour vous, merci beaucoup Kevin. Voilà, je vous ai fait une petite déco sympa pour ce vendredi 13, déco sanglante. On va balancer le générique tranquillement, le temps que vous vous installiez bien évidemment dans la joie et la bonne humeur. Et puis après on va se lancer, on va se lancer dans le jeu. Je pense que ça va revenir. Et heureusement que j'ai trouvé, vous me dites hein, si vous me recevez, je suis là, sur vous. Voilà, c'est vendredi 13, hein, les amis. Après tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous me recevez? Très clairement, vous me recevez ou pas? Normalement, ça devrait être bon, bien évidemment, vous me dites. Normalement, le comeback est là, voilà. Alors, je vous explique qu'il n'y a aucun souci quand ça foire, vous le voyez, puisqu'en fait, je laisse toujours le chat en fait, défiler. Comme ça, vous pouvez rester tranquillement. Si jamais il y a un problème technique, c'est quelque chose que je prévois à chaque fois. Et donc du coup, bah, vous pouvez rester dans le chat et ça c'est cool, c'est une nouvelle
une nouvelle option, enfin une option que j'avais déterminée à chaque fois parce que je sais qu'il peut y avoir des problèmes avec les jeux sur PC. Et d'ailleurs, je vous avais prévenu. Hein. Donc voilà, donc c'est cool. Donc vous avez pu rester ensemble, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que quand c'est des jeux sur PC comme ça, là en fait, j'avais voulu faire une prévisu sur XSplit et ça a foiré. Voilà, c'est pas très grave, vous avez pu prendre le temps de vous installer, les amis. C'est la faute du néon, voilà. Donc tranquillement, c'est scripté, c'est ça. Tout s'est relancé rapidement, on va balancer le générique les amis et on va se relancer tranquillement, c'est parti, installez-vous, c'est parti pour ce peur sous la couette. Je pense qu'une fois qu'on est lancé dans le jeu, je ne touche plus à rien du tout. Magnifique générique les amis, bien évidemment signé Captain Ichiro, merci d'être resté sur le coup, j'espère que vous allez bien, recoucou hein, à tous, hein. N'hésitez pas évidemment, enfin je pense que vous n'avez pas hésité à évidemment à refresh, c'est juste le PC qui a frisé pour ceux qui se posent la question parce que voilà c'est la vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà ce jeu, Lost Alone, premier épisode les amis, dans lequel on se lance dans la joie et la bonne humeur. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Installez-vous, c'est vendredi 13, on est là pour kiffer, bien sûr. Voilà, regardez, hop, je vais me mettre là comme ça. J'ai aussi le chat ici. Et en fait, ça, je m'en fous. Ils me font un espèce de truc sur Naruto. Je ne voterai pas pour Naruto, bien sûr. Voilà, le jeu a commencé. Donc, générique des années 80, bien évidemment. Donc, on repart sur ce jeu. Donc, Lost Alone, hein, dans cette maison, c'est exactement le type de jeu qu'on adore. Souvenez-vous, dans Wookno, d'ailleurs, on avait remarqué que les mecs, ils aimaient bien mettre des trucs un peu chelous. Là, ils ont mis les Spice Girls, qu'ils aimaient bien le cinéma, ils ont mis Friends. Bon, ben voilà, il y a plein de trucs chelous. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'était la journée, bien évidemment, c'est la journée de l'horreur. Salut Tomb Raider, salut tous ceux qui nous retrouvent, les amis. On va mener l'enquête. Vous me dites si le son, ça va. Hein. Voilà, dans la... Alors donc on se retrouve dans cette baraque, évidemment j'ai lancé le jeu avant, comme ça on était sûr d'être tranquille, ça commence comme ça, on se retrouve dans cette maison, et je sais pas trop, c'est une histoire de famille un peu chelou, et d'ailleurs vous le remarquerez dans ces jeux là, ils aiment toujours les bougies et les allumettes, on retrouve la patte, je pense que ça va être cool. Voilà, non mais on va être bien, c'est vraiment tout ce qu'on aime, hein. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on aime, donc on va voir un petit peu comment ça évolue, quoi. Tout est parfait, ok. Ouais, il y a plein de trucs, je pense, sur la table. Ouais, les cartouches avec du Mario, etc. Bah, les mecs sont... En vrai, les mecs sont bons, hein. Donc, j'avais trouvé leur jeu intéressant la dernière fois. Donc, Bring me a bottle of water. Ok, donc... Je pense que le jeu fait flipper. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais je pense que le jeu fait flipper. On va voir un petit peu ce que ça donne. La poupée sur le siège, elle est, ouais, elle fait flipper, ouais, complètement. Bah, tu t'attends en fait, donc c'est la poupée horrible de Laura. Ça doit être la poupée de sa sœur. Ouais, c'est un peu. Le son est parfait, hein, on est cool hein, là. Ouais. C'est, ça a l'air d'être une famille un peu étrange. On va voir, on va regarder par là quoi. On va regarder. Ouais, il pleut. Et on voit notre ombre et ça m'a toujours fait flipper. Alors on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir de ce truc là. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il y a pas mal de trucs à choper. Georges, bien évidemment. Carole, sache que si je casse de nouveau mon téléphone, ah ouais. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis désolée, je vous fais le coup. Alice is not anana, is not your skill. To leave early this morning for anana. Ok, Georges, voilà. Prends soin de ma sœur Laura pendant que je suis pas là. Donc je pense qu'on va devoir prendre soin de Laura, mais qu'en fait, enfin, on aurait dû prendre soin de Laura, mais à mon avis, Laura est morte. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il se passe des trucs bizarres, quoi. Et Anna m'aime beaucoup.
Nanana, don't think, nanana. Ok. Bon, ça, on s'en fout un peu, en vrai. Ok. Ok, c'est parti. Bon, c'est toujours au clavier souris, hein. C'est l'ombre du mec, elle fait un peu flipper quand même. Non, le jeu n'était pas dispo en français, et c'est ça que je trouve cool. Il y a un côté. Il y a vraiment un côté un peu particulier sur ces jeux. C'était pareil pour Wook Knows, hein, vous vous en souvenez? C'est ton premier peur sous la couette, Régulon. J'espère que ça va te plaire. J'espère que ça va te plaire. Toujours des trucs un peu particuliers. Ah, regardez. The First Year's Girl. Zero Number. Alors, on va retenir le numéro parce qu'il doit y avoir des énigmes, je pense. 74 957. Ok. Salut Adam. Non, non, t'as rien raté. On est. T'as rien raté. On est bien. On est bien, Tintin. Ok. On va se casser de là. On va se casser de là. J'adore le bruit. J'adore le bruit. Hop. Ouais, j'adore le bruit. Donc, attendez, c'était quoi le truc? 74-957, hein, c'est peut-être pour le loto. Ouais, j'en sais rien, c'est très très étrange. Comme ça. 74 957, on est d'accord, hein. 74, doit y avoir un code. Salut Gaëlle, bienvenue. Écoute, on est en train de se lancer dans un nouveau père sous la couette et on va. Alors, on peut pas aller dans le couloir parce que tout à l'heure j'avais lancé le jeu pour voir et voilà, là tout est fermé. Donc on va devoir se sortir de là et il y a un code. Alors on regarde un petit peu ce que ça veut dire tout ça, hein. Examine. C'est ah, ça, Game Girl, c'est marrant ce qu'ils ont fait. Ils ont pas appelé ça une Game Boy, ils ont appelé ça une Game Girl. Ok. Il y a une petite carte dedans, mais on s'en fout. On va peut-être allumer la lumière, comme d'habitude. Donc le jeu, c'est Lost Alone. Lost Alone. C'est marrant, tous les trucs. Regardez, il y a un petit objet là. On va le prendre. J'étais sûre que ça, il fallait le prendre. C'est tout à fait le genre d'objet. Ah, c'est Rigelion. D'accord, ok, Rigelion. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Donc on a trouvé ça. Visiblement, on peut pas sortir de cette pièce. Il va falloir trouver une clé, je pense. Donc on va regarder un petit peu partout. Ça va du coup le framerate, vous? Parce que moi, ça tourne très bien. Je fais toujours attention, hein, quand je fais des jeux PC. Vous me dites si ça va. Ça a l'air de bien tourner. C'est plutôt pas mal. Par contre, on va fouiller tous les trucs là. À mon avis, il nous faut une clé de base, hein, de toute façon. La dernière fois, vous en souvenez, on a bien. Sur Wokno, pareil, on savait pas trop quoi faire au départ. Tout était. Ils aiment bien en fait faire démarrer le joueur dans des pièces. C'est ça. Dans des pièces où tu sais pas trop ce qui. En vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Et si c'était la poupée qui avait un truc? Je crois qu'elle a rien, la poupée, hein. Eh bien, voilà. Vous me dites si c'est bon. Je pense que ça va être bon. Par contre, ça c'est vraiment cool que XSplit vous laisse un peu comme à la manière de Twitch en fait. C'est cool que XSplit vous laisse un petit peu à la manière de Twitch. J'ai relancé, j'ai relancé. Vous me dites quand vous m'entendez. Bon, on va changer de jeu. C'est pour ça que j'avais prévu, je vous avais prévenu hein, dès le départ. Ça va, c'est revenu. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a certains jeux Steam qui font complètement ramer mon XSplit. Et dans ces moments-là, il faudra que je lance sur OBS. Donc il va falloir que je fasse tout un réglage OBS. Parce que là, franchement, voilà. Le jeu avait l'air cool. Je vais faire tous les réglages pour qu'on se les fasse sur les prochains Peurs sous la couette. Parce que je les ai pris les trois, ils ont l'air vraiment cool. Donc je vais tout régler sur OBS pour les prochains Peurs sous la couette. Et puis ce soir, on se fait autre chose, tout simplement. Donc j'avais retéléchargé Visage au cas où, parce qu'on l'a jamais fait en entier. Est-ce que vous voulez faire Visage ou est-ce qu'on fait autre chose? Vous savez quoi, on va passer là. Hop, regardez, tac. Je vais enlever ce truc. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est vendredi 13, c'était l'imprévu. Est-ce que vous voulez Visage? Ouais, c'est à cause du jeu. Je sais pas pourquoi en fait, il y a des jeux comme ça qui tournent souvent sous Unity. Ils ont un problème avec XSplit.
Mais si vous me voyez, on est bien. Ouh. Alors du coup, on va décider ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez que Outlast ou Visage? Visage, on l'a jamais fait en entier. On l'a jamais fait en entier, Visage. Et Outlast, on le connaît par cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui décidez. Bah, Donut Open, on l'a fait. Ikai, on l'a fait. Bon, Dragon Ball Z, c'est pas un jeu d'horreur. C'est vous qui décidez. On se fait du Visage ou pas? Visage, il est très bon. Puis ça fait longtemps et je l'ai jamais fait en entier. Il est pas mal opti- En plus, il est optimisé sur PS5, donc c'est parfait. Ça vous dit? Visage, 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 c'est trop bien, visage, trop bien, visage, blablabla, visage. Allez, c'est parti. Et bah là, bah, on est sur PS5, donc ça ne foirera pas. C'est ouf quand même, hein. C'est vraiment... Ouais, ouais, c'est pareil. C'est... En fait, c'est le même type de jeu pour ceux qui ne connaissent pas Visage. Et puis en plus, sur PS5, je pense qu'on va être bien. C'est pour ça que j'avais commencé plus tôt. Je savais que ça allait poser problème. C'est pas grave. Et là, bah, ça partira plus en vrille. Voilà, donc pour ceux qui découvrent, ne vous inquiétez pas. En général, quand je lance un stream, il n'y a pas tout ça. Je vous aime. Putain, c'est mortel. Je suis super contente parce qu'en fait, ce jeu, je ne l'ai jamais fait en entier. Et alors que Visage, c'est quand même une... Hein ? Ben, je crois pas qu'on puisse reprendre parce que je crois que j'y avais joué sur PC et là on est sur PS5. Mais du coup ça va être cool parce qu'on va pouvoir se lancer tranquillement. Patience, voilà. C'est vendredi, regardez, il n'est que 9h30 et on a fait 3 tentatives de stream. Moi je vous aime. Et du coup ça fait un peu comme Twitch, c'est-à-dire que quand je me mets comme ça en live hors connexion, vous pouvez rester sur le chat et c'est très très bien. Merci d'être resté. Allez, on y va, on se lance. Plus d'erreurs, il n'y a plus d'erreurs. Moi je vous aime. Je vais boire de la grenadine, ça m'a saoulé ces trucs. Pour ceux qui n'ont pas fait Visage, je ne l'ai jamais fait en entier. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le début, là, les deux premières heures, enfin déjà, on va se régaler. Allez, installez-vous confortablement. Merci d'avoir tenu le coup. Le retour de mamie. Mais oui, il y a mamie. Déjà, vous allez voir, il y a un bon petit... Bien. Ouais, ils m'ont saoulé avec leur bug, là, de... Vas-y, mec, fais des choses, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai jamais terminé. Je pense que l'actualité m'avait rattrapée. Le début, je sais qu'il est, il est assez hardcore. Hein. Accrochez-vous. Début de jeu totalement serein, hein, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr, comme toujours. Voilà, c'était... Ouais, From Nowhere, tu l'avais jamais fait, mais ça tombe très bien, on va se... J'adore, en plus, le début, ça fait un peu penser à Pity, quand on se relève comme ça. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Peur sous la couette. David, t'as arrêté d'y jouer parce que t'entendais des bruits bizarres dans la maison. Ouais, ça m'arrive tous les jours. Hein. C'est ouf parce que, effectivement, j'avais jamais terminé ce jeu. Ouais, c'est quand même plus fluide que le nos amis de Lost Alone. Salle de progression, très bien.
Allez, on va aller voir mamie. On va aller voir mamie. C'est parti. Je crois que le téléphone va sonner. Ouais, voilà. J'ai des petits souvenirs, en fait, qui restent. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that. Ouais, le début, il est costaud. Qui n'a pas fait visage? C'est un super jeu. Hein. You out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. On va raccrocher le téléphone. Je voulais juste voir si vous aviez audio. On est bien. Ouais, c'est super beau. Jamais fait, pas fait, pas bon. Très bien. Non, mais tant mieux. C'est... On va être bien. Il y a un chat, il y a Félix, le chat, il est bien. Je vais me relever parce que... On peut pas ouvrir, pas moyen d'ouvrir. C'est cool parce que je m'en souviens un tout petit peu, mais pas totalement, vous voyez. Alors, je voulais vous mettre les sous-titres, mais je... Fainana, appliqué. Je crois pas qu'il y ait les sous-titres, on est d'accord? C'est quand même étrange, mais... On va aller au global. Je crois pas qu'il y ait les sous-titres. Je crois pas. Les textes, je peux les mettre en français, mais il n'y a pas les sous-titres. Ça, c'est relou, j'avoue. Très étrange. Ouais, ça va vite me revenir, je pense. Ah, voilà, ouais. Oulala, il y a plein de trucs. Ah, ouais, pff, je me souviens que c'était flippant là. Oh là là. Voilà, il y a pas mal d'événements paranormaux. Et donc, on a aussi notre santé mentale. Normalement, si, Sandra, c'est ouf quand même. Donc, faut pas rester trop dans l'obscurité. C'est un peu le même délire hein, que Lost Alone. Regardez, il n'y a pas de... Ah, voilà, sous-titres. Putain, je suis bête. Parfait. ATH de stress, oui, c'est très bien. Vibration, non. Gâchette adaptative, pourquoi pas. Bon, allez, on va mettre les vibrations. Comme ça, on aura toute la... toute l'expérience next-gen. Ok. Voilà, comme ça. Est-ce que ça vous va mieux comme ça? C'est vraiment une maison de fou, hein, pour pas changer. Get your sunscreen pals out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us and we're going to have a lot of fun with them. J'avoue, c'est très petit. Hop. Faut être remplacé. Maintenir avec ampoule. Je l'ai pas ramassé l'ampoule. Ah non, je l'ai pas prise. Mais suis-je bête? On va remplacer ça déjà. On est un peu comme Barry Burton. On remplace les ampoules en fait dans les maisons. Voilà. Déjà ça c'est fait. Ouais, ça fait flipper hein, l'ambiance du jeu. Oui, non mais je l'avais téléchargé. Je me suis dit au cas où un petit visage, ça va cartonner. On va être bien. Des médicaments. Ah oui, il me semble qu'avec les médicaments, on peut rester sain d'esprit, voilà. Parce que, très clairement, et le jeu est vraiment très beau, ouais. Ah, il y a des gens. Non, ça va. Bonjour, c'est le sondage. Alors, on revient, parce qu'on n'avait jamais fini votre jeu. On veut juste voir ce qui se passe. Je sais qu'il y a une mamie qui traîne par là, donc... on ne peut rien faire. Là, il n'y a rien. Un rasoir dégueulasse. Là-bas, je crois pas. Eh oui, c'est vieux. Wow. Ah non, on va allumer. Hein. On va pas rester dans le noir. C'est pas notre genre de rester dans le noir. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Hein. Merci d'être là. On va tous crever. Ne l'oubliez pas.
Tac, 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 tac. Cette espèce de vieux placard dégueulasse, bien évidemment. Flying Ice, machin. Le jeu s'appelle Visage. Alors, lire. Elle est morte. Je vous avais dit qu'elle était morte, sa sœur. C'est la meuf qui a oublié qu'on avait changé de jeu, en fait. Tac, tac, tac. Elle est morte. Bravo. On va se barrer, hein, puisque tout le monde est mort. Ouais, je me souviens que ça sent le roussi, quand même. Donc là, on est d'accord qu'il n'y avait rien à faire. On va aller là-bas. On est d'accord que ça sent pas bon. Hein ? L'horloge m'a fait peur. C'est pas dans ce jeu où il y a une mamie qui te met dans le four. Il y a un truc comme ça, ouais, mais il y a des mamies dans tous les jeux auxquels je joue. Je sais pas ce que j'ai fait aux mamies, mais il y a toujours plein de mamies. La plante m'a fait peur. Et il y a toujours des bougies dans leur jeu, hein, on est d'accord. Les bougies sont des sources lumineuses, merci. Voilà, ça améliore la santé mentale parce que... Mais il me faut un briquet, mais je crois que le briquet, il est par là. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va choper le briquet. Une bonne mamie, bien sûr, pour vendredi 13. Alors, attendez, hop. C'était bon, des petits médicaments, géniaux, génial. Voilà le briquet de Chris Redfield. Parfait. Donc on a le briquet. On a le briquet. Je sais aussi pourquoi je l'avais pas fini. Je crois qu'il y avait un bug à l'époque où je l'avais fait. Et d'ailleurs, on peut... Tiens, on va lâcher ça. Moi non, mais on va le... Qu'est-ce qu'on peut faire? Servez-vous d'un briquet pour allumer les bougies. L2... Bah, je vais la lâcher parce que j'ai pas envie de l'allumer pour l'instant. J'en ai pas besoin de toute façon. Puisqu'on a la lumière d'ici. Et on n'a pas de reflet, bien sûr, c'est normal. Voilà. J'adore ce genre de maison. Ah ouais, je me souviens, là. Il y a un placard bizarre. Tain. Coucou. Alors, hop. Voyons. Mamie. Je crois qu'ici, il y a des trucs... des bougies peuvent être placées ici. Là, il nous faut la clé. Ah ben, voilà. Alors, deux types, les objets dynamiques et les objets clés. Les objets dynamiques sont placés dans votre inventaire. Et les objets clés sont essentiels, bien évidemment. Prendre cet objet lancera un chapitre. Vous ne pourrez pas commencer d'autre quoi. Ah, je m'en souviens. Vous voyez, ça, je m'en souviens plus. Je m'en souvenais plus. On va pas tout de suite faire ça. On va d'abord aller voir si on n'a pas... rater à des trucs pour être sûr, mais je crois qu'on a tout visité à peu près, hein. Ah, pas là, je crois que là il y a un bureau. Ouais, voilà, dans mes souvenirs. Ok, je crois que là il y a des choses aussi. Ouais, il y a plusieurs chapitres. Enfin, franchement, le jeu fonctionne bien. Regardez, hop. Voilà. Ça, on en a besoin. Ça sent quand même vachement le roussi ici. Hein. Cette maison de fou, là. Ok, bon, on y va. C'est un peu trop calme, vous allez voir. D'un panda, on est bien, Tintin. Le chapitre de Lucie, c'est parti. Du coup, on y va. Comme ça, au moins, on a ramassé la clé. Déjà, on a ramassé la clé avec l'électricité, et ça, c'est bien. J'avais commencé, mais je crois que j'avais eu un bug, et une deuxième fois, j'avais voulu le relancer. On n'avait pas eu le temps de finir parce qu'il y avait. Okay, c'est.
Oh, le placard qui s'ouvre tout seul, on est ravis. On va allumer la lumière. Hein. Voilà, voilà. Elle est sympa, Lucie, elle fait des beaux dessins. Se barrer, hein. Parce que je me souviens pas exactement, mais je sais que c'est flippant là avec ses poupées de caca là, avec ses poupées de merde. Pas moyen de l'ouvrir, on peut pas allumer là. Il y a rien qui marche dans cette baraque. Alors, on va voir le placard en espérant qu'il n'y ait pas un cadavre dedans. Toc toc. Ah, ici. Il faut tout regarder parce que sait-on jamais. Je crois qu'il y avait un truc un peu chelou avec les nounours. Ah, c'est pas Versailles, hein. Ouais. Ah, et lui là, il a pas un truc. Ils sont horribles, ces peluches sont horribles. Il y a des bougies. Ouais, c'est vrai qu'il faut prendre les bougies. J'en ai pas l'inventaire, c'est ça, objet dynamique, objet clé. Ok. Pour l'instant, j'ai pas de. Pour l'instant, évidemment, je n'ai pas de bougie puisque j'ai préféré les relâcher. Encore une peluche. Étrange, bien sûr. Voilà, voilà. Bon. On va regarder toutes ces peluches, mais je crains que elles n'apportent rien. C'est plein de petits jouets. Ouais, c'est pour ça que je regarde les jouets. Je me dis, peut y avoir un truc caché dans les jouets, mais qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Parce qu'il a plein de jouets. Et là, par le dessin bizarre, elle a 12 000 fois les mêmes jouets. Ok, on va se barrer. Hein. Attendez, il n'y avait pas un jouet bizarre, là? Non, ok. Bon, on va se barrer. Tout ça est étrange, hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et les dessins, ils racontent rien. Bah, tout le monde a l'air heureux sur ces dessins. Donc ça a l'air d'aller. Ah, pas moi. Ah, d'accord. On peut pas sortir. J'adore. On peut là? Pas moyen. Ah, j'adore. On est bloqué dans cette chambre. C'est beau. Salut Ragnar, je t'ai vu. Je te vois. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette chambre? Sarah et papa. C'est un peu trop calme et c'est bizarre qu'on puisse pas sortir. Je voulais que je vous dise, c'est très très bizarre. C'est moi ou elle est genre pendue la poupée? Genre elle allait se pendre. Là, on avait tapé. Ouais, c'est calme. Voilà, voilà, c'était sûr. Oh putain, la porte, elle est ouverte. Bah, ça, vous voyez, je m'en souvenais pas. Maman. Voilà, on est d'accord que ça tapait là. Il y a une main dessus, bien sûr. On va aller prendre la bougie là-bas, histoire de. Je sens que ça sent bien le roussi, je vous le dis tout de suite. On va prendre la bougie. Voilà. Servez-vous d'un briquet pour allumer les bougies. Et d'ailleurs, le briquet,
J'ai pris... Je l'ai pris ou pas, le briquet? Il est où, le briquet? Je pensais avoir pris le briquet. Ah, mais voilà, je l'avais pas pris. C'est pour ça. C'est pour ça. Servez-vous d'un briquet. Ok. Voilà, je vais prendre le briquet. Voilà, je vais garder mon briquet. Voilà. Je vais te poser là. Je me souviens que la manière de se déplacer la main avec une bougie allumée l'éteindra. Ok. Mais je me souviens que le voilà. J'aimerais bien la poser, en fait. Ouais, tu peux pas te déplacer avec, mais au moins la poser là. Voilà. Tac. Je vais voir. Lâcher. Voilà. On fera plus tard. On va juste garder le briquet. Mais il me semble que le briquet... Il me semble que le briquet... Ouais, voilà. À un moment donné, il a plus de... d'énergie, enfin d'huile. Voilà. Oh my god, je kiffe tellement. En fait, j'aime ces gens. Ouais, je vais économiser le briquet, Steven. L'essence, c'est ça, c'est ça. Regardez-moi cette dame. Hein ? C'est où exactement ? Il y a un œil, j'allais dire, il y a un yeux. C'est ça, ouais, pardon, je finis jamais mes phrases. Alors oui, bien sûr. Sur la chaîne numéro 3, n'oublions pas ça. Comment je fais déjà, voilà, pour éteindre le briquet, mais au moins on est tranquille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Que dalle, on s'en fout. Là, on peut toujours pas y aller de toute façon. J'aime bien, il y a une bonne ambiance savoureuse. Ce qui est bien, c'est qu'on est bien reçu. Ok, pour l'instant, rien. Par contre, on a une clé avec l'électricité. Alors, il faut juste que je me souvienne. Mais je sais pas si c'est pas là-bas qu'on peut l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le garage, qu'est-ce qu'elle dit? Déjà ramassé. Vous avez trouvé une note. Laundry room. Évitez de rester trop longtemps dans l'électricité, dans l'obscurité. Oui, c'est pas mon genre. C'est pas la bonne clé. Ok. Donc c'est pas là. Là c'est fermé. La clé miroir. Là c'est fermé. Et là il y a rien. Ok, ok. On sent la... C'est ça, on sent la joie et la bonne humeur. Hein. On sent le vendredi 13. Ça sert à rien. Putain, c'est couloir. Ça c'est la clé petit miroir. Ok, et là on est d'accord qu'il y a la objet requis clé du sous-sol, on est d'accord. J'ai la clé avec l'électricité, il faut que je me souvienne. Ok. Ben moi je trouve que quand c'est calme, c'est là que ça fait peur. Ça n'est pas normal en fait. Donc il faut que... Ouais, ça va arriver. T'inquiète, Billy. Voilà, là du coup on a fait le tour de la chambre de la petite. Et on a vu ce qu'il fallait. Il faut que je me souvienne. Coucou.
coup, là, on a fait tout le tour. On est allé dans ce bureau. Faudrait que je me souvienne ça. Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Là, elle me dit, tu cherches la clé du garage. Elle est dans la poche de ton jean à la buanderie, comme toujours. Sauf que la buanderie, elle est fermée, je pense. Et là, on a la clé. On ne peut pas l'utiliser ici, je sais, mais examiner. Ok, donc rien à voir avec la vie. On est d'accord. Donc la buanderie, je crois que c'est en bas, mais pour l'instant, on ne peut pas y aller. Là, pour l'instant, la télé, elle nous a fait son téménique, là. La chambre, que dalle. C'est pratique avec le briquet parce qu'on peut voir si on a oublié des trucs. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien. Et on se barre de là. Ouais, on se casse. C'est vraiment l'ambiance du cercle, quoi. C'est... Franchement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ok. Ouais, les médocs, c'est pour baisser le niveau de peur. Mais pour l'instant, j'ai pas... Faut que je me souvienne où aller. Là, pour le coup, vraiment, je suis dans la découverte, quoi. Parce que je m'en souviens plus du tout. Et qu'en vrai... on peut pas y aller. Voilà, ça, c'est la clé du garage. Là, bah, c'est pour save. C'est des présentoirs. Je me souviens qu'il y avait un truc ici, mais c'est après. Voilà. Il faut, en fait, c'est le genre de jeu vraiment où faut y aller doucement, quoi. Tu sais qu'il y a plein d'objets à ramasser et qu'il peut y avoir plein de choses. Je me souviens que là, à chaque fois, je me disais, putain, c'est pas possible, on dirait que c'est plein de sang. Il y a toujours du papier cul, ouais. Ok, bon, on se recasse. Le but, c'est de pas crever, quoi. Voilà, on peut allumer là. Pour l'instant, on peut pas y aller. Il nous faut la clé du garage. Sauf que la clé du garage... Il nous faut la aller dans la buanderie et la buanderie est fermée. Donc on va chercher partout. Et là il faut la clé du sous-sol. Ouais, la pendule elle fait flipper, ouais. Et j'aimerais bien, il y a toujours cette meuf là bizarre. C'est horrible. Là il n'y a rien. Il y a les cassettes vidéo mais j'en ai pas encore. Faut que je me souvienne. Regarde les photos, on dirait Diana. Tac. Voilà. On s'en fout. Ok. Je cherche hein, parce que pour le coup... là, il y a tous les médocs, mais je m'en sers pas. On est d'accord qu'il n'y a rien. Je me souviens plus ce qu'il faut faire. Tac. Là, on n'y va pas. Là, je me souviens que c'est bloqué. Après, ça va être l'enfer, bien sûr. Ah, il y a un truc ici. C'est marrant parce que, en vrai, ça quand tu approches d'un objet un peu important, ça vibre. Salut, Gabi Game. Clé du sous-sol. Inventaire, bien sûr. Cette porte n'est pas... Calmez-vous, madame. Vas-y. T'as la porte bien chiante qui s'ouvre. Calmez-vous, jeune homme. Calmez-vous, Christine. La meuf, elle a deux briquets. On est bien, on va garder. Hop, il faut que j'arrête d'utiliser la mauvaise touche. Voilà. Là, on a fait le tour, ça c'est bien. Ah, ça j'adore.
Marie, merci beaucoup. Bon courage à toi et merci d'être là. Ça sent le roussi, je te le dis. Toutes les portes de clé du sol. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Vu que ça sent bien le roussi. Ah ouais, putain, là, je m'en souviens, c'était l'enfer. Tintin. On peut allumer là, non ? Voilà. Bonjour. On réalise un sondage. Putain, je m'en souviens, c'était l'enfer. Maman. Voilà, là on va pouvoir stocker à pouvoir stocker des trucs, objets, n'est-ce pas ? T'es la fille qui ouvre, c'est vraiment les deux briquets. Oh mon dieu, la tête du gosse quoi, mais c'est pas possible. Laissez-nous en paix quoi. Bon là, on n'a rien de toute façon pour l'instant, mais après on pourra stocker des trucs. Pour l'instant, on allume toutes les lumières. Voilà, voilà. Ouais, j'ai deux briquets, c'est cool parce que c'est un peu l'enfer. Arrêtez de respirer comme ça, madame, s'il vous plaît. Déjà, on va aller voir dans la cuisine. On fait tout le premier étage. Parce que la clé du sous-sol, elle ouvre tout en fait. En vrai, la clé du sous-sol, c'est la clé de la baraque, tu vois. C'est la clé du manoir. C'est ouf. Il y a des trucs qui ont changé. Hein. Je pense que j'avais fait vraiment le... Je pense que j'avais vraiment fait le... Je me demande même si c'est pas la démo que j'avais jouée. Parce que y a quand même des trucs qui ont évolué là. Il est 3h33 partout quoi. C'est une clé, c'est ça, c'est vraiment une clé passe-partout. Et je me souviens que. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la musique qui fait ouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Que dalle. Tout va bien, tout va bien. N'ayez pas peur, je suis là. Tout va bien. On a tout ouvert. Je pense qu'avec ça, on fait le tour, en fait. Ouais, voilà, on fait le tour de... Voilà, on va descendre encore plus loin, donc on n'y va pas. Mais en gros, on a fait le tour du... On a vraiment fait le tour. Ok, bon. D'accord. La meuf, elle a vraiment deux briquets, quoi. Ah, donc celui-là, voilà, celui-là, je peux le jeter, mais c'est super mal fait. Voilà, celui-là, j'avais plus besoin. Ok, ok. Ouais, vous voyez, il faut que je fasse gaffe parce que je... La clé du sous-sol, une fois de plus. Oh, merde. Est-ce que ça fait comme dans Resident et est-ce que ça te dit, genre, vous en avez plus besoin? Salut, Phoenix. Aucune clé n'est sélectionnée, c'est normal, j'ai ouvert la porte. Putain, là, c'est chaud. Okay. On peut pas allumer la lumière. Si.
Voilà, ça me permet de pas abuser. Il faudrait que je ramasse des bougies. Parce que là, j'avoue... Ça va sur le chat, ça vous plaît? Vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'on n'est quand même pas dans la joie? Clé du garage, là, pour le coup, on l'a pas. Ouais, je pense qu'on a fait le tour et que là, on va arriver au garage. On est d'accord qu'il n'y a rien à prendre? Bah si, il y a une tronçonneuse. Ce serait quand même plus sympa. Je crois qu'il n'y a rien chopé, là. Oui, la clé du sous-sol, a, regardez, hop, a disparu. Hein. On a ouvert toutes les portes. C'est une clé qui était vraiment faite pour ouvrir les entrées du sous-sol. OK. Eh ben, on va explorer le sous-sol. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, on a vraiment fait le tour. Donc, on va aller là pour l'instant. Il est 3h33 partout. J'adore ce genre de lieu, tu sais pas trop ce qui peut se passer. On est bien dans son, on est bien dans son bain. Il y a un truc là-bas. Corde pour se pendre. On va économiser le petit briquet. Ils durent pas longtemps les briquets. Hein. Putain, c'est... en avoir besoin quoi. On est d'accord qu'on est revenu où on était tout à l'heure, on a fait le tour. Ok, ok, pour l'instant la maison elle est confiante. Bon. Elle est là. Attends, mes souvenirs, c'est là que ça. Mais elle est où la dame qui respire comme ça? C'est ça, c'est des briques électroniques, tu sais, que tu trouves à la foire fouille, quoi. Mais arrêtez de respirer comme ça, madame. Vraiment, je... d'avancer. Attends, on va quand même l'allumer la télé parce qu'en vrai c'est plus la lumière. La vérité c'est que je flippe mais je... Parce qu'en fait ma manette elle vibre de fou. Tu sais comme s'il y avait vraiment un truc là. Dès que j'arrive dans cette pièce ma manette elle vibre de fou. Ah putain mais c'est la salle où on l'avait vue. Ok ok c'est la salle où on l'avait vue. Là, c'est la salle dans la télé où on l'avait vu, là, avec le truc qui fait de la musique, là. Voilà. C'est super. Je trouve que c'est super mal fait. Voilà. Comme ça, on a ça parce que c'est pas possible là. Ça sent trop le roussi. Coucou, il y a quelqu'un.
partie fermée. C'est là que ça sent pas bon. La clé du local électrique, on l'a. Hein. Y a un truc là. Les Orbania. Ok. Non, non, mais calmez-vous, madame. C'est un phonographe. Et si je joue de la musique, il n'y a pas de disque vinyle dans le phonographe. Ah, vous avez entendu la photo? Vous avez entendu le bruit de photo? Oh putain. Là, ouais, ok. L'enfer sur terre, je te jure, j'ai pas du tout envie d'y aller. Oh putain, elle est là-bas, non? C'est moi ou il y a un truc bizarre là-bas, au fond du couloir, genre un truc qui va marcher vers moi? Je fais quoi là? J'ai des frissons. Je fais quoi là? Le briquet est vide, génial. Je veux bien courir, mais je vais où? Attendez. Là, il y a le local électrique, on peut y aller. Voilà. À bientôt, madame. Hein. Je merci mon Dieu. On va l'allumer. Voilà. Tout va bien. Arrêtez de paniquer. Franchement, tout va bien, les amis. Est-ce que ça va, mon petit chat? Sauvegarde, tu seras obligé. Il va y avoir des pellicules. Elle veut un câlin. Je pense que tu n'auras pas le choix. Elle va te prendre dans tes bras. Arrête. David, Carole, au point où nous en sommes. Tu as raison. Je pense qu'il faut s'exprimer. Mais d'accord, mais elle va me bouffer. Elle va me tuer. Et on va recommencer où? Est-ce qu'il y a moyen d'aller... Là, on peut pas y aller. Putain. On peut pas partir là. Ce n'est pas le bon moment. En fait, c'est le moment de crever. Et je suis obligée de sauvegarder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauvegarde. Je me souviens pas du tout. Enfin, je me souviens juste un tout petit peu. Bon, on est d'accord qu'il y a quelqu'un par terre, là-bas. Il y a un truc par terre, on est d'accord. Sandra, elle te fera rien, t'inquiète. Ouais, bah, hein? Elle a bougé d'abord. Il y a un truc là. Il y a un truc, c'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est pire que le cercle. Attendez. Maman. Putain, j'ai les frissons. Elle peut ouvrir les portes ou pas? Ça va, Karen? Attendez. Il faut qu'on s'organise, là. Je me souvenais pas qu'elle faisait autant flipper. Il va falloir qu'on sorte de là, de toute façon, à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais même pas ce que j'ai appris. Voilà.
Ok, on va y aller. J'ai l'impression qu'elle est partie. Ouais, je crois qu'elle est partie. Putain, il y a une traînée bizarre. En fait, quand on la voit, il faut se planquer, c'est ça ? Non, non, allume ta lumière. Ok, ça sentait vraiment le roussi. Je vous le dis tout de suite. Balance-lui le briquet dans la tronche. Bah, en fait, le truc, c'est que je... Bon, la dame, elle est partie. Enfin, la dame. Cette espèce de truc dégueulasse. Peur là. Je retourne dans la cuisine. On est d'accord qu'on a trouvé aucune clé. On a trouvé juste le. Ouais, je pense qu'il faut suivre la salle au sol, mais je suis remontée parce que j'avoue que ça m'a fait un peu flipper. Il fait vraiment flipper ce jeu de la dame. Maman. Passe un truc en haut bizarre là. Je te jure, ils vont me rendre ouf. Elle revient, la dame, elle prépare le thé. Je me souviens qu'il y a un truc avec du thé. Mais. Bon, ok, on va retourner au sous-sol parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Vas-y, ils m'ont tous pris la tête là. Salut Simna. Alors écoutez, madame, nous revenons sur nos pas, bien sûr. Hein, on veut savoir ce qui s'est passé. Restez calme. C'était pas là, c'était pas là. Y a pas une salle de sauvegarde ? C'est la meuf qui prend tout en photo maintenant. On va aller à la salle de sauvegarde parce que je sens quand même qu'on a besoin de se détendre un petit peu. C'est ça, Karen, c'est ce jeu. Complètement. Donc il y a une dame bizarre qui nous poursuit. Mais je suis en train de me demander, effectivement, je sais pas comment. Attends. J'ai une bougie. On va la placer là. Voilà. D'accord. Bon, je crois pas que je puisse sauvegarder pour l'instant. Hein. Pas que je puisse sauvegarder ici. Je pensais que c'était une salle de sauvegarde. Enfin, dans mes souvenirs, c'était une salle de sauvegarde, mais en fait, pas du tout. C'est un peu ça l'idée. Dans le placard, ça a save tout à l'heure. Ouais, mais parce que c'était une save automatique, je pense. Je pense que le briquet est mort. Hein. Ah non, ça va. Pas mort. Ok, regarde dans ton menu. Ouais. Bon, j'ai rien de particulier dans mon menu. Vous voyez, c'est bien parce que j'ai vraiment mes supra oublié ce jeu, quoi. Donc on va repartir en arrière, voir ce que la dame, elle a... Ouais, je pense que la sauvegarde, elle est automatique parce que... Dans mon souvenir, on pouvait pas sauvegarder. Je me trompe peut-être, mais dans mes souvenirs, on pouvait pas save. Enfin, en tout cas, ça sauvegardait automatiquement, quoi. Storage, non. Là, il y a ça, et là, il y a ça. Alors, attendez. L'appareil photo. Voilà. Voilà, c'est là qu'il faut aller.
Évidemment, on a totalement envie d'aller voir cette dame. Ah, attends, ça va où ? Attendez. Hop. Ah, elle est montée dans le mur. Ça va être là. Trop envie d'y aller. Alors, attendez. Ouh, je comprends pas, là. Ça s'arrête là. On est d'accord que ça s'arrêtait là ? Là. Là. Mais t'as gribouillé partout. C'est ça, les plus flippants, c'est de pas la localiser, pas trop savoir comment on va faire. Mais je me souviens pas que c'était aussi. Va nous faire le tour de la baraque ou comment ça se passe? Attendez, elle va là. Ça monte ou c'est moi qui rêve? Ça monte. Bah, je suis pas dans l'obscurité là, mec. Je suis la dame. Non, c'était là. Attendez, je. J'arrive pas à voir où ça va. Je pense que c'est pas là. Non, c'est pas là. Je pense que ça monte en vrai. Ah ouais, faut retourner à l'été. Où elle était. Regardez, ça monte là, j'ai l'impression. Attendez, ça monte, on va y aller. Ouais, je pense que. C'est ce que j'aime dans ces jeux. C'est vraiment, c'est tous des malades mentaux. On va y aller, Sandra. On va aller récupérer ce qu'elle a donné à la dame. Je crois qu'elle va être là. Coucou. Vous avez fait. Ok, pas de problème, on s'en va. Voilà. Ah voilà, on y voit mieux comme ça. Bon, on s'en va. Je pense qu'on a fait le petit. Et on va retourner. Salut Claudia, bon vendredi 13 à vous aussi. On va tous crever. Moi j'aime bien quand on fait ce genre de stream parce qu'on sait que. Franchement, ça sent mauvais. Mais on est bien. Ah, c'est tout rose en bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le sens de la lumière. Qu'est-ce pas ça dans la cave là? J'avoue, quand c'est comme ça, je préfère aller vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça a complètement changé. C'est vraiment la démo que j'avais fait, c'est pas possible. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. C'est pour ça que j'étais pas allée au bout en fait. Il y a plus de maison. On va où là? Guilt, d'accord. On est d'accord que Guilt c'est la culpabilité. C'est la meuf qui comprend pas l'anglais. Et là il y a un T-Rex qui sort, Mélissa.
c'est l'un des jeux les plus flippants auxquels j'avais joué déjà à l'époque, mais là, chapeau. Hein. Il y a des trucs aléatoires, ouais, mais c'est ouf parce que c'est totalement mon type de jeu et j'avais pas relancé. Pourquoi ? J'ai des problèmes. Attendez, mais il y a des peluches partout, il y a Monsieur Panda, il y a... Attendez, on va avancer plus vite parce qu'il y a... En fait, la deuxième fois, j'avais fait le chapitre 1 de Dolores et dans le chapitre 2, donc différentes énigmes. Ok. Il y a un gros panda, là. Et il y a moyen de refaire la mamie après. Non, mais c'est mortel, hein. En vrai, Visage, c'est un jeu, c'est plusieurs jeux en un jeu, quoi. J'ai une maison. Qui c'est qui marche ? C'est moi. Je me fais peur avec mes pas. Ouais, le jeu, c'est Visage. On est 666 sur le chat, c'est beau. Attends, on va monter, monsieur. Hein. Je suis Lucie. Hello, Lucie. Tu veux être ton amie. Donc, c'est un monsieur qui sort et qui va l'emmener. Il va lui faire bobo. Ça me fait penser à Sinister. Un truc là, mais je peux rien toucher, je crois. Interagir. Petite clé. Merde. Elle est où ta petite clé? Tu peux nous dire où t'as mis ta clé, Pico? Est-ce que t'as mis ta clé? Peut-être dans une petite bestiole. Merci beaucoup, mon hotmail. N'hésitez pas, le petit pouce de l'amour. Bon, on a trouvé la maison, mais on se barre parce que du coup, il n'y a pas le... Ah, on peut pas partir. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça vraiment génial. On peut pas se barrer. Ok. Attendez, je vais tout retourner. Non. Ah, voilà. Ça s'est fait. Tac, tac. Ouais, ouais, ouais. C'est... Regardez, Mimi, on a eu la même idée. Petite clé. Petite clé. Ouais, faut la clé. On s'en fout, on sort, là. C'est piqué avec une seringue. Je me suis dit, je vais brûler les images, mais après ça a déclenché une cinématique. Alors, est-ce que c'est scripté ou est-ce que j'ai
rater la session, la séquence. Ouais, ça sent pas très bon. Je sais pas, ça se trouve. Non, en vrai, je pense que c'est scripté. Oh putain, où suis-je, mon dieu? Ah, voilà. Sauvegarde manuelle au besoin. Voilà, ok, d'accord. Donc là, en fait, on en est où? Attendez, je vais regarder dans mon... Ok, ok, on a objet clé. Bon, on a utilisé toutes les clés, donc... Alors, du coup, je ne sais plus. On a utilisé toutes les clés, donc il n'y a pas de soucis. Je pense qu'on peut repartir. Ouais, il n'y a même pas ça. Ok, là on était venu. On avait récupéré l'appareil photo, donc ça va. Ouais, c'était stressant, ouais. C'était hyper efficace. Mais du coup, je sais pas du tout où faut aller. En vrai. Ah, c'était hyper stressant. Voilà, la séquence était très, 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 très stressante. Mais... C'était une musique de ouf. Voilà, mais alors par contre, sauvegarder où? C'est ça que je comprends pas. Ça, il me faut la clé du garage, on l'a pas. J'ai utilisé les deux autres clés, donc il n'y a pas de... Bah, du coup, je sais absolument pas où on en est dans le... Il y a des trucs partout. Bah, ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. Attendez, on va tout de suite voir. Voilà, là, on avait ouvert. Ok. Là, si on y retourne, il n'y a pas du tout le dehors de la maison. Ah oui, tout simplement, sauvegarder. Ouais, d'accord, je pense qu'il fallait une salle de sauvegarde. Bon, au moins, c'est fait. On va éteindre ça. Mais c'est cool parce que je pense que ça a mine de rien fait avancer le jeu. De toute façon. Petite clé avec le miroir. Lucie Douit. Bah ouais, mais elle me... Oh merde. Oh. En vrai, elle me demandait de faire quoi? Putain, elle a arraché tous les trucs. Il n'y a plus d'électricité. C'est bon, c'est la crise. C'est Emmanuel qui est passé. Bah ouais, mais il n'y a plus d'électricité, mon frère. Comment fait-on? On peut pas y aller, là? Oh putain, il y a une fille. Ah. Pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça passe des choses quand même étranges. Et c'est... Bon, le briquet est presque vide. Bah oui, mais que veux-tu que je te dise? Le briquet est vide. D'accord, ok. Donc je peux aller me faire voir. Juste des petites lumières comme ça. Mais attends, comment je vais faire pour... marcher dans la nuit. Oh, c'est ouf. C'est ça. Ça, vous avez survécu. À revoir au ralenti, ouais, c'était cool. C'est aléatoire parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé. On va aller, écoutez, on va aller vers là, on va voir. Ça se trouve, il y a des trucs qui ont changé là.
Putain, elle s'est barrée. Comment on va faire? Telle est la question, les amis, je vous le dis. Bonjour, on sert une ampoule. Ouais, j'avoue, là j'ai flippé, mais bon. Clé petit miroir. Ok, bon, va falloir qu'on trouve des clés. On n'a rien du tout. Cela semble fonctionner correctement. Mais ouais, mais... Ça y est, vous l'entendez? Ben ouais, mais j'ai plus rien. J'ai plus de lumière. Ok, vite, c'est avancé. J'ai plus d'ampoule. Est-ce que je pourrais trouver une ampoule? L'autre, elle est en train de s'étouffer. Au moins, j'allume la télé, ça fait au moins un peu de lumière parce que... C'est déjà ça. D'accord qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer là. Ok, on va retourner dans la chambre où il y a le dessin dans l'armoire. Pas de soucis. Vas-y, on va remonter. Mon Dieu. La pression est à son comble. C'est que j'y vois plus rien. Putain. Moi, là, il y a un tout petit peu de lumière. La chambre. Putain, j'ai toujours peur de faire des photos parce que j'ai toujours peur de tomber sur un truc chelou. Ok. C'est que j'ai plus rien pour allumer la lumière. Il me faudrait un petit briquet, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Ah, attendez, c'est... Ouais, mais il marche plus celui-là. Ah si, c'est bon. Heureusement. Heureusement. Pas moyen d'ouvrir. Qu'est-ce que... Chargé parti, où on en était? C'est mortel. Stoto save, 18, 17. Ouais, vas-y, on fait ça. Je crois que j'étais là sur le premier peur sous la couette, mais je me souviens pas bien du tout. Il y a plein de scénarios différents. Ouais, en vrai, c'est pas du tout le même jeu à chaque fois. Je me souvenais pas de ça. Elle m'a glacée, je te jure, elle m'a tuée. Je te jure, elle m'a tuée. Voilà. Bravo. Merci, mon Dieu. Donc, on y retourne. Effectivement, ça sent le roussi. Là, ça vibre dans tous les sens, ma manette. Alors. Attendez, je vais fermer la porte. Elle a dit, je pense qu'elle va venir encore. Voilà. Là, il y a le petit... Voilà, le fameux oiseau.
En fait, j'ai mis trop de temps à ouvrir la porte, je pense. Le petit picot, là. Il a tué son oiseau, je crois. Mais j'y vois rien. C'est ça qui est génial. Il est presque vide. Ils sont en train de me... Je te jure, ils ont envie de me tuer. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, on peut pas sauvegarder, évidemment. Essayez de faire vite. Je ne vois rien du tout. Putain. C'est moi, il y a une petite fille là-bas. Oh mon Dieu, elle est là-bas. Vous la voyez? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Ouais, venez, on s'en va. Parce qu'elle est là. Et si on allait là? Elle vit ici, c'est ça? Elle... On va aller par là. Je fais très attention parce que... C'est un peu flippant là. J'aimerais beaucoup aller là-bas, mais je... Ah merde, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, est-ce que... Excusez-moi, madame. Est-ce que du coup, vous pensez qu'on peut y aller sans qu'elle nous voie? J'ai un autre briquet. J'avais pris l'autre briquet. Ah non, je l'avais pas utilisé. C'est vrai, j'avoue. Mais attendez. Je vais essayer de passer par là. Elle est horrible. Hein. Elle est juste horrible. Mais il faut. Je pense qu'il faut pas qu'elle. Enfin, je sais qu'il faut pas qu'elle m'attrape. Mais pour le coup, là, je sais absolument pas ce qu'il faut que je trouve. Voilà. Déjà, j'allume les lumières. Va finir par me choper parce que je vois rien. Je sais absolument pas ce que je cherche. Est-ce que je cherche vraiment quelque chose? Il y a son lit là. Elle veut juste sa ventoline. Je pense, hein, elle est pas bien là. Pas moyen de l'ouvrir évidemment. Je sais absolument pas. Qu'est-ce que j'ai l'appareil photo aussi de ce côté-là. Il est inutile à présent. Génial. Bon, moi j'aime ce genre de délire. Je sais même pas ce qui peut se passer. Magnifique. Ah mais c'est l'enfer. Parce que je sais absolument pas. Il n'y a rien à trouver. C'est vide. Il n'y a pas de clé. On peut pas sauvegarder. Qu'est-ce qu'elle a fait de ce putain d'oiseau? Je veux dire. Elle a bouffé l'oiseau. Bon, je suis obligée d'y aller parce que, en vrai, ça vibre dès, je pense, dès qu'elle est près de moi. Donc, je vais passer de ce côté. Il y a un briquet, je suis passée à côté. Ah ouais? Attendez, je vais essayer de choper. Ah oui, putain, merci. J'avais pas vu. Voilà. Mais putain, j'y vois rien. Honnête avec vous, je sais absolument pas quoi faire. Je sais pas
qu'elle fait, la meuf, mais... J'ai pas du tout envie de la déranger dans son délire, hein. Moi, je fais que passer. C'est pour... Bonjour, c'est pour un sondage. Le problème, c'est que la clé de la salle des cages, elle doit... Je suis sûre qu'elle est là, la clé. Elle doit être dans une cage. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord qu'elle est dans une cage, la clé? Et que j'ai dû passer à côté. Je cherche partout. Ben, je crois que je préfère encore mamie, je vous jure. Elle est flippante. Oui, la clé est dans l'une des cages, Carole. Ok, Pascal. On va chercher. Je vais quand même regarder dans les trucs là. Tant que ça vibre pas, c'est qu'elle est pas là. Là, ça vibre, donc je me casse. Oh putain, elle est là. Je cours. L'enfer. Merci. Putain, je croyais que j'allais jamais la trouver. Je vous jure, quand j'ai vu sauvegarde en cours, j'étais trop contente. Salut Thierry, comment ça va sur le chat? Mais il est en train de faire quoi? Il fait le caca? Que fait-il? Que se passe-t-il? Bon, au moins on a un peu échappé au truc. Pas moyen de l'ouvrir évidemment, il va falloir faire un truc. Pas moyen de l'ouvrir. Le petit screamer. Merci Swapper. Bah, je sais pas ce qui s'est passé mais... Putain, mais il y a des musiques bizarres qui se... Hop, d'accord, il n'y a plus de porte là. C'est bien noir, ouais. Est-ce que j'ai moyen d'utiliser déjà ça pour ma santé mentale? Pourquoi pas? Non, c'est inutile, ok. Ça. Non, je peux prendre des photos, j'ai l'impression que j'ai plus de flash. Briquet est vide. Donc je le lâche. Ok. Je vais prendre un autre briquet. Pas moyen de l'allumer. D'accord, il se passe quoi là? En vrai... Ah voilà, l'autre elle est dans son coin là-bas. Oh là là. Bon, on lui a jamais dit de venir. Il me saoule. Bah ouais, j'essaie de prendre une photo, Mister Sama, mais j'y arrive pas. Je voulais, mais je peux pas. T'aimes bien, David? C'est pas du tout le même jeu que la dernière fois. C'est pas du tout le même jeu. Non, effectivement, j'avais fait le jeu complet, mais j'avais fait la mamie. Et c'est pas du tout le même jeu. C'est ça qui est cool. Elle est un peu moins sympa que tout à l'heure, sa chambre. On va fermer la porte, hein. Voilà, voilà. C'est moi ou il y avait un truc par terre? Ah non, c'est moi qui ai lâché le briquet, ok. Ok, ok. Bah non, Marine, je peux pas cramer l'oiseau. Je pouvais rien faire, en fait. C'est une toute petite chambre. C'est une toute petite fille. C'est tout petit.
qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Oh putain, je me souviens d'une scène comme ça avec des miroirs avec la mamie. Ouais, c'est une cellule, ouais. Bon, au moins là, c'est sauvegardé. On n'a pas de... C'est vraiment le bordel. Vraiment le bordel, cette baraque. Ah ouais, la maison, elle a changé. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me casse. Dernière sauvegarde automatique. Heureusement, ça venait de sauvegarder. Mais alors, il fallait pas descendre. En fait, quand t'as peur, il faut pas courir, il faut rester là où t'es. Ouais, ouais, je crois qu'on a tous sursauté, Cédric, je crois. Bah, il faut de la lumière partout, Cumulonimbus. Mais le problème, c'est qu'ils ont, ils ont enlevé tous les, tous les interrupteurs. Ils ont sauté. C'est comme mon stream tout à l'heure. Ok. Le bain de tout à l'heure. Bon, là, il n'y a rien, on s'en fout. On va pas descendre. On va pas descendre, on va aller là. Franchement, on va pas se prendre la tête. On va rester... Oh putain. Mais comment tu veux être bien dans ta vie, dans ta tête, là? Pas le prendre, ça, j'en ai pas besoin des médicaments. Prends-le là, putain. Oh putain. Darkness. Te hante. Bah ouais. Vous avez remarqué que la maison elle change? La meuf qui a rien compris. Je crois que c'est un jeu un peu effrayant quand même. Hein. Quel est le but du jeu? Bah, je pense que c'est de te rendre fou. Je crois qu'en vrai, il est pas très long. Hein. Je crois qu'il y a la mamie, il y a elle, et puis il y a un autre truc, quoi. Mais bon, je suis obligée d'aller dans le placard, c'est ça? Darkness haunts you. Tu vas interagir. Oh non, meuf, s'il te plaît, fais pas ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Mais non, je voulais pas faire ça, je voulais allumer. La meuf, elle prend les bougies en photo. Ah, attendez, est-ce que je peux pas sauvegarder là? Mais oui, on va faire une petite sauvegarde manuelle. Hein, voilà, voilà. Histoire de... Hein? Voilà. Hein? Hein? Hmm. Merci, Erwan. Merci, mon petit Erwan. Ouais, ouais, mes visages... vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'étais... Sûrement parce que dans ma tête, je me disais, oui, bah, j'ai fait le jeu, j'ai un peu commencé, j'ai eu un bug ou je sais plus quoi, et puis je suis pas revenue, quoi, mais... C'est franchement, c'est exceptionnel. Je sais pas où je vais. Mais ça me plaît pas. Ah
Heureusement, j'ai sauvegardé. Il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne quand je peux pas aller sur. Salut, Booker. La dernière charge est partie. On va faire partie 2. Ouais. Il faut absolument que je comprenne les éléments qui font que je dois pas aller là ou là ou là. Là, j'aurais dû savoir que je devais pas y aller. Comment ? Quels sont les éléments qui nous disent surtout va pas là, pas maintenant ? Il y a 3 chapitres, voilà. Évidemment, papy et mamie. Bon, on avait déjà fait mamie, hein, donc déjà, si on fait la petite fille, c'est bien. Ok. Est-ce que c'est parce que c'est ma santé mentale qui va pas ? Ou est-ce que c'est juste parce que, voilà ? Voilà. En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout si c'était relatif à ma santé mentale. La musique qui change. Ouais, mais putain, ils te mettent des musiques cheloues tout du long, donc... Vous voyez, par exemple, là, mon cerveau, il clignote, il est pas bien. Quand même, je me demande s'il n'y avait pas des trucs à récupérer là. Donnez-moi des piles. Coucou Sabrina, c'est Visage le jeu. Ah, la cage, une cage. Tout va bien, tout se passe bien pour l'instant. Le briquet est presque vide, ah, putain, ouais. Voilà. Putain, mais quand ils te disent qu'il est vide, il est vide, quoi. J'en ai un autre, mais... Tout est parti en vrille, là. Rien à ouvrir, là, c'est mort. Ça. Voilà. J'avais pas de bougie, moi, dans le... Non, pourtant, j'étais sûre d'avoir amassé une bougie, quoi. Allez, hop, on va monter à la salle de bain. Ok, on y va. Putain, sérieusement. Sarah. Ah, c'est les tailles. Trop mignon. C'est mignon. Enfin, Sarah, on n'a pas trop envie de la voir, là, parce qu'elle me prend la tête depuis tout à l'heure. Mon cerveau il fait ça. Voilà, calme-toi, jeune Skywalker. De mannequin. Tout va bien, tout est normal. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, il n'y a rien pour l'instant. Bon, on a trouvé un truc, donc on se barre. C'est ça, moi j'ai l'impression que le cerveau, c'est quand il y a une menace, donc... Bah non, en fait, non, je pense que c'est pas quand il y a une menace, vu que regardez là, mon cerveau n'était pas rouge. Par contre, la menace, tu la sens venir avec les lumières qui partent en vrille, etc. Mais je. Dernière sauvegarde automatique, c'était peut-être quand j'ai ramassé
La mâchoire de mannequin. On va voir si ça m'a sauvegardé quand j'ai ramassé la mâchoire, sinon on y retourne. Puis ouais, on va retourner au sous-sol, quoi. Non. Bah tant mieux, comme ça on va direct prendre le masque, parce que j'ai perdu du temps. Voilà, je prends mon truc de mannequin, là. Par contre, là, je me casse. Vite, voilà. Parce que ça sent le rossé, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, sous-sol, on est là. C'est la meuf, elle qui regarde partout, même derrière elle. Je crois que j'avais vu ça. Non, c'était pas là. C'est là où il y a la photo. Attendez, je crois que c'est là-bas. Bah oui, j'évite de rester trop longtemps, mais enfin, mon cher. Je crois que c'était là. Ah, laisse-moi tranquille. Ce mannequin n'était pas là avant. Voilà. Putain, je vais me faire bouffer encore, je le sens. Je le dis, je le sens. Et je peux pas, j'ai pas moyen de me servir de ça. Si, voilà. Donc, au moins j'ai une sauvegarde en cours. Je sais pas quoi faire là. Prends ce médicament, bordel de merde. Je vais aller là. Je pense que c'est le mieux. Est-ce que j'ai un... Prends ton truc. Est-ce que j'ai un briquet? Oui. Allume ton briquet, petite. Bon, alors, je vais aller là, mais en fait... peut-être remonter par là. Non, en fait, je vais peut-être aller là. Ça me semble tout indiqué, bien sûr. Voilà, là c'était scripté de toute façon. Ouais, c'est bon, le placard. En vrai, je me suis dit, s'il y a un truc là, il faut y aller. En vrai, pas moyen, semble-t-il, de l'aller. Bah, parfait, tout va bien, hein. Super moulin, je viens de réveiller le quartier. Souhaite-leur un bon, j'allais dire un bon Halloween, un bon vendredi 13, voyons. On ne connaissait pas ces escaliers, on est d'accord ou... Ce que je me disais, elle a changé la maison quand même, hein. C'est... Il y a des griffes. Ah, merci, Juan. Ah. Ah bah putain, il y a le monsieur. Encore une armoire. Je sais pas ce qu'il y a là, mais...
putain, mais franchement, tu sors du jeu, t'es dernière sauvegarde automatique parce que c'était pas mal. En vrai, tu sors du jeu, mais laisse tomber, t'as plus de cœur, quoi. Ça fonctionne super bien. Ouais, c'est exactement ça, Mathusien. C'est éprouvant en vrai. Pardon, je suis désolée, je vous fais sursauter. Est-ce que Sandra est encore là? Sandra, où es-tu? On sait que t'es là. Eclipse, il en peut plus. C'est clair qu'à la fin, ce serait bien de voir toutes les photos que t'as prises. Ou Bon, là, on sait qu'il y a cette gare qui va venir, là. Cela dit, essayons d'aller là pour voir. Mais je pense qu'on était parti du bon côté. Ah non, c'est bon. On peut ouvrir. Je pense que ça va être l'horreur aussi. C'est des trucs fermés. Tu sais, ces pièces qui veulent rien dire où t'as des tiroirs à... Oh putain, le con. Ouais, le son, c'est l'indicateur. Mais par contre... Maman. Ah ben voilà. Ils m'ont ramené là en vrai. Il y a l'autre là qui va apparaître. Alors. Allumer mon briquet, ça me rend ouf. Elle est là. Parce que l'autre en est mort. Sympa la baraque. Est-ce qu'on n'aurait pas un briquet qui traîne? Vraiment, je... Ouais, moi aussi, Jérôme, j'ai le cœur qui... Sandra, elle s'est barrée. T'as vu Sandra, l'horreur? Cristal? Attends. Je vais pas me retourner, hein. Je vous le dis tout de suite, je me retourne pas. Je me retourne même pas en rêve. Je me retourne pas. Je ne me retourne pas. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir où je vais. Je ne veux pas. Je ne veux pas savoir où je vais. Je ne sais pas où je vais. Là, là. Sauvegarder l'enfer. Elle est là, Sandra. Ah, mais non, t'es... Parce que je savais que tu... Je me disais que tu devais trouver ça convivial et chaleureux. C'est pour ça. Donc on va avancer. Tranquillement dans la chaleur. En fait, on est chez Ikea. Tu vois, il n'y a que des armoires. Je veux bien les ouvrir, mais à mon avis, il faut toutes les ouvrir. Jusqu'au moment où on va se faire bouffer, bien sûr. Non, mais on est dans le noir, donc ça sert à rien. Je vais arrêter de prendre des photos, là. Je shoote tout et n'importe quoi. Ouais, je sens que ça va être un jumpscare de fou. Ah, non, ça c'est la porte d'où on vient. On est d'accord que ça sent le roussi, hein. Je sais pas... Voilà, pas moyen, donc on vient de là. Voilà, je m'en souviens.
Il y a là. Bon, celle-là. Bah, je pense qu'une fois qu'on les aura toutes ouvertes, on va crever, quoi. Celle-là. Super agréable. Putain, j'ai une pression dans le crâne. Et toi, là, je te sens pas bien, toi. Non. Attends, il y en a une autre, là. Il y en a encore une ou deux qu'on n'a pas ouvertes. Bah, je prends en photo, mais ça fait rien du tout. Fais voir les intérieurs, peut-être. On va essayer de prendre les intérieurs. C'est clair, c'est un des meilleurs pitié actuellement. Ah voilà, ça c'était bien. La poupée. Ouais, franchement, on a fait des bons jeux, mais par contre, vous voyez, je préfère ce chapitre-là que le chapitre de la mamie. La mamie, c'était cool, mais celui-là, il fait vraiment flipper de fou, quoi. En fait, le jeu, il a un autre visage, quoi. J'ai l'impression que je suis... Qu'est-ce que j'ai pas encore pris en photo? Putain, j'ai tout ouvert. Ah non, ça passe. À... Ah bah, dernière sauvegarde automatique, parce que du coup, la poupée, je suis désolée. Ouais, mais alors, attends, il y en a une, il faut pas l'ouvrir, quoi. Comment tu fais pour savoir qu'il faut pas l'ouvrir? Ils vont tout fermer. Du coup, on avait la poupée ou pas? Je crois pas de toute façon que la poupée, on pouvait la... Bah ouais, mais... En vrai, il y a une armoire qu'il faut pas ouvrir, quoi. Oui, Draco Dark, j'ai vu Sandra, je l'ai vu. Merci. Mais par contre, je... Attendez, je vais prendre ça. Je peux pas l'ouvrir, on est d'accord. Hein. Ah, mais c'est ouf. J'ai mes médicaments dans ma poche. Attendez, il y a un truc là. Ah voilà, il y a un truc ici. Il y a un trou là. Voilà. Merci mon Dieu. Il y a une ombre de le monsieur qui n'est pas là. Putain, c'est des boîtes. Donnez-moi un briquet, par contre, si c'est possible. Ils auraient pu me foutre un briquet, hein. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé le passage. C'est ouf, je l'avais pas du tout vu. Et tu reviens, en fait, tu le vois. C'est un truc de fou, le cerveau, en fait. Ou si ça se trouve, il y est pas la première fois. Bon, on va aller là, hein. Voilà. Quelle horreur. À qui est cette ombre, Sony, ça? À qui est cette ombre? J'aimerais bien comprendre. Putain, je vais arrêter, parce que j'arrête pas de prendre des médicaments, là, Je pense que... Mais arrête, pose-moi ces médicaments. Attends. Pas moyen de l'allumer. Bon, je peux aller me faire voir. Putain, j'y vois rien. Bah, à
quel moment tu mets la main dedans ou à quel moment tu vas dedans, quoi. Carole, pense à ton cas. Je te jure, c'est un... C'est un... Alors, j'ai pris quoi, là? Je sais pas ce que j'ai pris, en fait. Ma foi, je sais même pas ce que j'ai fait, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé un truc, peut-être, qui va débloquer un passage. Je pense. C'est possible. Putain, je peux pas sauvegarder. Génial. Je vais revenir par là. On voit tellement rien que tu te dis mais c'est pas possible, c'est voilà, comme ça je pense que je vais pouvoir passer à un endroit où j'aurais pas pu passer sinon. L'ombre est partie, bien sûr. Évidemment, toujours pas. Toutes les deux minutes je cherche à sauvegarder, mais cette maison est sans dessus dessous, en tout cas c'est ce qu'on peut dire. Ouais, il me manque des bonbons là. Salut Guillaume, le jeu c'est j'allais dire silence, c'est visage. Oh, c'est la jungle. Alors, c'est cool. Je kifferais avoir une salle. Photo et... Putain, il y a encore une... Je vais pas aller ouvrir l'armoire, là, ça va me saouler. Ils vont encore ils vont me tuer encore. Il n'y a rien, en fait. Il va y avoir rien du tout. Pas déplacer l'objet. Ah, c'est pas le thé qu'elle aime la grand-mère, ça. Ouais, l'ambiance sonore fait bien le job, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On allume... On ouvre cette armoire. Que dalle. Il y a un truc qui doit m'échapper. Ouais, je pensais que c'était un piège aussi, mais finalement non. Là, il n'y a rien. On est d'accord. Là, il n'y a rien. On est d'accord. Ah si, on peut passer là peut-être. Mais j'y vois que dalle là. Y a rien. D'auto. Pipix DC, mais cette fille est folle. Elle est folle. Elles, hein, sont tous folles. Hein. Toutes. C'est quoi ces meufs? On aurait dit un vélociraptor, je suis tout à fait d'accord. Oh non, il me fait recommencer là? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que maintenant on sait où aller. C'était là, non? Non, c'était pas là, c'était là, certainement. Là, voilà.
Bon, on y va tout de suite. Pour le coup, on se trompera plus. Par contre, je vois pas du tout où il faut aller. Ouais, ah, tous ces jumpscares, je te jure, le minus, c'est un truc de fou. Oh non, mais franchement, je perds des années de vie avec ces jeux. C'est ouais. Oui, ça tombait mal, on n'était pas... Alors, on va aller là-bas, du coup. Voilà, on va aller chercher notre truc. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, mais par contre, là, vous voyez ce que je veux dire ? Je vois absolument pas ce qu'on fait. Là, je vois pas ce qu'on fait. Vous voyez ? Alexis. Mais j'avais déjà joué au visage, mais j'avais pas fait ce chapitre-là. J'avais fait la démo, ensuite j'avais fait le chapitre de la mamie. Et franchement, mais celui-là, il est bien plus efficace, je trouve. Ouais, je sais que les grognements, c'est qu'elle va m'attraper, mais le problème, c'est que... Alors là, j'ai enlevé un truc, mais je... En vrai, je sais pas à quoi ça m'a servi. Bon, on va aller voir. Salut Julien, bienvenue. Le jeu, c'est Visage. Je crois qu'on vient de là, de base. Oui, il faut monter. Alors. Je me pose la question. Là, il y a une cassette vidéo. Faut qu'on revienne dans le salon, il y a une cassette. Là, on peut plus revenir. Bon, on est obligé d'aller par là. Ok. Bah, la poutre, on peut pas la prendre. J'ai regardé, on peut pas la prendre. Donc, il y a cette pièce de ouf. Il y a cette pièce où il s'est rien passé, où il y a l'armoire. Là, il n'y a rien. Et là, il y a un truc derrière, j'ai l'impression, mais... On va aller au bout pour voir. Attends. Il y a une chaise. Mais ça change rien. Là, la chaise. Je peux pas placer cet objet. Enfin, je peux pas la pousser en fait. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Non, je peux rien faire. Je peux pas la débloquer. Bah ouais, Yann, j'essaye, mais je j'ai pas l'impression que je puisse. Création vidéo, lâcherai-toi, j'irai doucement, tu vas trop vite, ça me fait flipper plus que le reste. Bah, j'essaie de bouger la chaise, mais j'y arrive pas. Je peux pas la déplacer, la chaise. Salut, Gears. Je peux pas. Donc. Ça va, mon Julien? J'ai quand même très peur. Si je peux à ça, vas-y, j'y vais. Mais je vois pas du tout comment je peux la bouger, cette chaise. Vous ne pouvez pas placer cet objet. Attendez, je vais... Comment je fais si je veux remettre un truc dans mon inventaire? Voilà. Ah, ok, c'est parce que j'avais un truc dans la main. Putain. Ok, génial. Lâcher. Y a-t-il possibilité de sauvegarder là? Pas du tout. Putain, ils me rendent folle. J'ai peur. Alors, là on est revenu où on était tout à l'heure, sauf que
Maintenant, je pense qu'on peut descendre. Là, on va pas y aller parce qu'il y avait le fou. Je sens que là, ça sent le roussi, les amis. Oh là là, c'était quoi ça? Bien évidemment, on est ravis. Putain, mais ce qui est ouf, c'est qu'on a un briquet qu'on peut jamais utiliser, quoi. Je sais que vous êtes avec moi, heureusement. Tom Rider, à mon avis, la poutre que tu as retirée libère un passage au même niveau. Or, tu es remonté. Mais je pouvais pas aller ailleurs que... Bon, là, j'y vais pas déjà, c'est clair. Bah vas-y, on va aller là-bas, hein, qu'est-ce que je te dis ? Attendez, mais... Je sais absolument pas où je suis. Voilà, merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a rien. Je peux même pas interagir. Je ne peux même pas interagir, hein. Je peux rien faire là. Une armoire, ok, magnifique. Ouais, je vais revenir où j'ai vu l'ombre parce que je pense que de toute façon c'est par là, mais je vais bouger ça, je pense. Mais combien de pièces bizarres comme ça là? C'est des placards. Dans des placards, c'est pas possible. Je peux pas sauvegarder. Non, c'était là. La nana qui insiste. Une clé rouillée. Ok, on peut pas aller là. On va aller là. Génial. Non, il n'y a pas de carte. C'est un vrai labyrinthe, hein, cette maison. Ah, la clé, elle est là, je crois. Prends la clé. Petite clé rouillée, ok. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Non. Mais je pense que quand tu chopes les clés ou quoi, ils sauvegardent, de toute façon. Désolée, je prends des photos partout, mais... Ça fait peur. Bah, les clés, elles sont assez faciles à trouver dans la mesure où elles sont toujours sur le chemin, quoi. En fait, ils faisaient plein de travaux dans cette maison. Je peux pas placer cet objet. Je vais pas faire ça, mais je vais
faut garder ça pour l'instant. Je vais ranger ça. Je vais toucher ça. Ben ouais, mais où est-ce que je vais poser ça, en vrai? En vrai, quand je l'entends, quand on l'entend arriver, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'on se derrière sauvegarde automatique? Je pense que c'est quand on a pris la clé, on va voir. Ça fait un peu The Grudge ou Xanax. Ouais, je l'ai gardé comme un bouclier. Je me disais, elle va pas me voir. Mais quand on l'entend, je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il faut que je me planque. Je sais pas s'il faut que je... C'est un truc de fou, quoi. Donc, je crois que je suis revenue... Voilà, je suis revenue là où j'étais tout à l'heure. Ah ouais, la fameuse armoire, rien à voir. Ouais, faut pas m'arrêter. Ouais, je sais, mais du coup, je savais pas quoi faire. M'a bien fait flipper. Pas moyen d'ouvrir. Ah voilà, bah, c'est ça que j'ai enlevé tout à l'heure en vrai. Ok. Je crois. Hein. Alors attends. C'est quoi qui le fait fuir le Malthusien? Mon APN? C'est quoi ça, mon APN? Ça c'est clair. Je pense que la clé, je sais plus où je suis allée la chercher. Bon, on va ouvrir là, hein, parce que... Voilà, au moins on va se faire bouffer. Écoutez. C'est la meuf. Je prends des photos partout. Ah voilà, appareil photo, voilà. Non mais j'avais plus ou moins compris, mais je me disais, ça se trouve, il y a un truc que j'utilise pas depuis le début. Ok. Mais sauf que je sais jamais d'où il vient. Voilà, ça va être là. Voilà. Le fameux placard. Le fameux placard. Merci Mandy Warrior, ça va? Écoute, on est en train de flipper de fou. Mais on aime bien. On s'amuse beaucoup. Là, il y a carrément tout qui s'ouvre. Voilà. Alors, regardez, j'ai appuyé, mais ça n'a pas marché. Hein. Ça m'a fait la peine. Je sais pas si ça se ressent, mais j'ai eu un espèce de frisson qui est monté de... Ah, qui est monté de fou. Dernière sauvegarde automatique. Ouais, t'as vu, j'ai essayé le Malthusien, j'ai essayé de prendre une photo, ça lui a rien fait du tout. Au contraire, il a fait un grand sourire. Photo. Voilà. Je pense que je vais me barrer. Ouais, ça m'a fait sursauter aussi. Je pense qu'il faut que je me barre. Je pense qu'il faut que je me barre dans ces cas-là. On peut voir la photo. Bah ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en plus ça change. Tout à l'heure il m'a pas fait ça. Tout à l'heure il est pas. C'est franchement je. Vous voyez là par exemple il vient pas. Cheese photo. Là il me faut donc la clé. Ah ben non c'est bon ça. Ah non c'est celle-là. Il fallait la clé. Voilà. Donc on va aller chercher la clé rouillée. Là on sait qu'on est tranquille. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Crystal. Je pense qu'il faut pas aller dans certaines pièces, en vrai. Voilà, hop, petit
petite clé, elle est là. Voilà. Voilà, on a fait tout le tour. Ok, je peux pas sauvegarder là. Putain, ils sont relous, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est aléatoire puisque là ça s'est ouvert, ça se voit pas. Enfin, c'est ça qui, en fait, c'est ça qui rend le jeu génial. C'est que tu sais pas ce qui va se passer. C'est hyper flippant. Tu dis putain, est-ce que là il va venir ? Donc je sais pas du tout par contre comment me débarrasser de ces mecs-là quand ils arrivent. À mon avis, fuir quoi. Fuir me semble une bonne idée. Voilà, là il était venu la dernière fois, donc on va aller là. Juste pour changer. Super chelou. Ah oui, on peut pas y aller. On peut pas aller là. Donc en vrai, on va être obligé de... Ah putain, on va prendre la planche et la mettre au-dessus pour passer. Ok. Ouf. Bonjour, j'ai le cerveau fatigué ce soir. Donc. Voilà. Prends ça. Viens, on va là-bas. S'il te plaît, l'autre vient pas. Laisse-moi faire mes trucs. Ouais, c'est clair, il n'y a pas d'indice, mais c'est ça qui est génial. Voilà. On se casse. On court parce que quand même, voilà. Ah, sauvegarde. Non, mais ils sauvegardent au moment quand même clé. Ils savent que c'est quand même un peu galère. Oh putain. Pourquoi ils me font ça ? Pourquoi vous me faites ça, madame ? Pas moyen de l'allumer. Non, mais tout va bien. Ah, il y a là. Alors, j'aurais tendance dans la vraie vie à dire le méchant monsieur qui est au gribouillet, là, il est là-bas dans la flèche, donc on n'y va pas. Mais par contre, là, j'aurais tendance à y aller parce que c'est éclairé. Ici, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Là ou là, d'après vous ? Ouais, ça fait très pitié, c'est clair. De toute façon, quand j'avais joué à ce jeu-là, je crois que c'est un des premiers Peur sous la couette. Si vous voulez, vous irez voir. Déjà, c'était pas du tout le même jeu. Enfin, c'était pas le même chapitre. Mais je crois que j'avais écrit un jeu encore plus flippant que Pity, plus que j'avais dit. Mais lui, la planche, alors d'après vous, il faut jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on fait ? On va où il y a la lumière ? Ou j'aurais tendance à aller là, hein, moi ? Attendez, il y a quoi là en vrai ? Je vois même pas, et vous savez que je vois même pas ce que je fais. Voilà, et là il y a des escaliers. Ok, on a compris. Ok, ok. Voilà, là il y a des escaliers. C'est ça ? Voilà. Bah, je serais montée, moi. Moi, je serais montée, hein, en vrai. Non, attends, il n'y a pas un truc en haut bizarre ? Non, ça va. Je sens qu'il peut y avoir un truc bizarre, donc... Je sais même pas où je suis. Attendez, hop. Voilà. Ce serait vraiment cool que je puisse utiliser ce putain de briquet. Non mais en vrai, le briquet, tu ne peux pas l'utiliser du tout. Qu'ils avaient pas très bien rangé leur garage.
je crois. C'est le mec qui range sa voiture comme il range des fringues, quoi, tu vois, c'est... c'est un briquet, peut-être ? Non. C'est un peu bizarre. Je sais pas si on est dans le bon chemin, mais bon. Spontanément, c'est ce que j'aurais fait, donc... attendez. Hop là, on va monter là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui l'ouvrait. Non, ça va, c'est moi. Attendez, parce que c'est tellement... attends, déjà, ouvre. Voilà, et monte. Je peux pas monter ? J'aimerais bien monter. Oh non. Ouais, c'est un peu mal fichu, mais bon, on va y arriver. Ouais, c'est le boxon total, c'est... Je comprends pas. Je me souviens d'une scène dans le garage, justement, dans le chapitre de la grand-mère, où c'était vraiment flippant. Ouais, je pense qu'il faut faire le tour. Passer par les trucs, là, je sais pas. J'avoue, je serais volontiers passée par là, mais... Alors, peut-être là. Peut-être là. Et faire le tour comme ça, ouais. D'accord, on est revenu là. Sursauter à chaque fois. Ah, d'accord, elle a de grandes griffes. C'est bon, sauvegarde en cours. Donc déjà, on est revenu plus ou moins à quelque chose d'à peu près absolument serein. Hein, c'est... En vrai, je suis trop contente que, que l'autre jeu n'ait pas marché, qu'il ait fait foirer le truc, parce que ce jeu est mortel. Merci. Bah on n'est pas dans l'obscurité, madame, hein, on est... Il y a des griffes partout. Le truc, c'est qu'on a vraiment tout fait, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Clés du garage, ouais, on les a toujours pas, les clés du garage, en vrai. Les trouvera-t-on un jour ? Gaëlle. Oui, ma définition de serein est très contestée, effectivement. Ah, ça va être là. Ou là. Là, 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 on va suivre les griffes. Ah, ça monte, on est content d'y aller, on est content. On est content, les grosses griffes. Ah, c'est bien, on va crever. Ah, génial. Ça monte en haut. C'est pas monté en bas, cela dit. Bah, on va y aller. Je peux pas sauvegarder. Ah, merci. On va faire partie 3. Voilà. Voilà, parce que je sens que ça sent le roussi quand même. T'as la maison, ça devient... Elle est en lambeaux, quoi. Oh putain, un briquet, merci, mon Dieu. Franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Puis de retrouver l'électricité un petit peu. Et je me souviens qu'avec la grand-mère, on montait dans le grenier. C'est super. Pour le coup, je vois absolument pas. Cette maison a du potentiel immobilier, mais tellement. C'est-à-dire que, je veux dire, même si tu me payes 1 million par jour, j'y vais pas. Oh, c'est joli. Alors attendez, on va suivre les petites gris-griffes quand même. Elles s'arrêtent là, les gris-griffes. Regardez. D'accord, hein. Elles montent, elles vont là, on va aller par là, écoutez, on va se faire un petit délire. On va revisiter la chambre de la petite, voilà, comme d'habitude, évidemment, ça sent le roussi.
Qu'est-ce qui va se passer encore? J'ai envie de mourir, là. Ouais, ils m'ont fait le même. C'est bizarre parce qu'ils m'ont vraiment fait le même délire que tout à l'heure, quoi. Ah non, on veut pas y aller. Bon, on y va parce qu'on est obligé. Voilà, voilà. Alors, regarde le tableau à la craie. Encore le tableau à la craie. Partons en arrière. En fait, c'est pas. Après, le jeu, il est vraiment une ambiance de fou, mais il y a plein de trucs qui sont effectivement pas hyper logiques. Ben là, il n'y a plus rien de toute façon. À part des armoires. Je me souviens que. Je me souviens que dans le scénario de la grand-mère, il y avait aussi pas mal de trucs à faire avec des dessins. Dans ta partie, t'avais plus de médocs que de briquets. Oh, putain, je prends des photos des bougies, sérieusement. Je vais reprendre des médocs. Oui, en plus, tout à l'heure, je les ai vus, je me suis dit cool, et puis je les ai pas pris, donc c'est très bien. On va les prendre justement. Merde, je pars en courant là. Là, je pars. J'ai décidé que maintenant, quand j'entendais un bruit bizarre, je partais. Je pense que c'est mieux. J'allume la télé. Je mets Patrick Sébastien à la télé. Voilà. Voilà. Et on va sauvegarder. Partie 3, voilà. Parce que... Hein ? Ah ouais, sinon là je pense qu'il arrivait direct là. Donc on va repartir par là. Comme ça si on perd au moins on a sauvegardé. Donc on vient, on est d'accord qu'on vient de là. On est monté, on a fait tout notre truc. Je pense que les miroirs, les clés miroirs, tout ça c'est la partie de la mamie. Je pense hein. Bon on va remonter dans la chambre effectivement, ça a l'air de... Enfin, ça a l'air de se dérouler un peu plus plutôt là-haut. J'essaie de prendre des photos un peu partout. Pas du tout. Hein? Voilà. Il n'y a plus le truc là. Non. Ça redevient angoissant. Non, c'est pas nuisette, c'est vraiment un petit, c'est un petit débardeur. Je suis en survêt Bambi comme d'hab. Mais j'avoue, elle pourrait faire un nuisette. Mais elle est très jolie, j'ai pris à cache-cache. Cette discussion hein, pendant. Ah merde, attendez, on va se faire bouffer par un monstre alors qu'on parle mode. Ça va pas être bien. Je
J'avoue, là, je bloque un peu. Je me dis, bon, où est-ce qu'on va ? On a déjà rangé nos ongles et perdu notre cœur. Oh putain. Ça sent le roussi, moi, je vous le dis. Ok. Faut qu'il se passe un truc, là. Oh putain, je me casse. Putain, j'ai des frissons. Et le jeu le ressent bien parce qu'en fait, tu pètes un câble quand... j'avais sans Bambi, bien sûr. En fait, ton cerveau pète un câble quand toi, tu flippes. Moi, mais voilà, merci pour le coup. Là, je me dis, mais où aller? Voilà, ça sent pas bon. Là, ça sent pas très beaucoup bon. Non, mais les bruits de porte me font sursauter. Il y a des bruits suspicieux. Ouais, ah, bah, peut-être que parce que là, ça s'est fermé. Voilà, hein, on va repartir. Voilà. Hein ? Évidemment. Alors, est-ce qu'il faut partir là-bas ? Ben, je pense pas, on en vient. On en vient donc. Pour vous, c'était à l'étage ? De toute façon, on va remonter parce qu'on n'a pas la clé du garage et. Attendez, on s'en va là. Oh mon Dieu ! C'est la meuf, elle se met à côté de la télé, quoi. C'est comme si la télé me protégeait. N'est-ce pas ? Voilà, on va reprendre ça. Ouais, on va pas trop rester dans l'obscurité, mais... Bon, de toute façon, on a sauvegardé, donc on se fait bouffer, tant pis. La radio qui grésille, c'est l'enfer. Eh, on va la laisser grésiller, hein. C'est grésillé, elle nous saoule. Elle nous fatigue, la dame. Oh putain. Ben voilà, il va se passer un truc dans la salle de bain. On va fermer là. Bonjour. Ouais, les griffures. Ouais, c'est pour ça que je regarde pas mal les griffures, mais là, fais voir s'il y a des trucs à choper. Là, on avait pris les petits trucs. Là, on va refermer. Parce qu'en fait, on va passer. Là, ben, y a quelqu'un. Non, ça va. Et là, on peut pas ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on prend une douche. Ouais, c'est une toute petite salle de bain. Ben, la douche, on l'a ouverte, quoi. Donc, il n'y a rien à faire. On va interagir. Est-ce qu'on peut... Ici, on avait ouvert. Il n'y a rien du tout. Ouais, je sais, j'ai pas refait la poutre. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est tellement aléatoire que... Ouais, je vais éteindre mon briquet, par contre. Ah, bah, quand il me dit ça, de toute façon, ça sert à rien. Très étrange, je suis enfermée dans la salle de bain. J'ai refermé l'eau. Et ça, c'est quoi ? Oh merde. Ça sent pas bon. Il a sauvegardé hein, juste avant, ouais.
Allez, qu'est-ce qu'on fasse? On va pas foutre le feu à l'eau. Avec mes briquets sont vides. Ok, je sais pas quoi faire. Je vais arrêter l'eau peut-être. Je vais retirer le rideau. Mais ça commence à être plein de fumée dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai réouvert, j'ai refermé. Je pense que là j'ai refermé, on est d'accord. Hein. Attendez, je vais refermer, sinon on va plus rien voir. Je vais rester comme ça. Je voulais aller dans le bain, mais on me donne pas la possibilité de le faire. Je vais réessayer, mais. C'est chaud, j'y vois plus rien. Là. Je peux rien faire en fait. Je peux littéralement rien faire. Pour se relaxer. Je vois pas du tout ce que je peux faire là. C'est super chelou. Avec la bouteille en verre, tu peux pas prendre l'eau. Ouais, on va essayer, mais bon, je pense pas. C'est pas le genre de. Non, je peux pas. C'est pas le genre de mécanique du jeu. Je vais lâcher mon briquet. Est-ce que j'en ai un autre? Oui. Attendez, je vais prendre ça. Non, même pas. Après ça. Ah, je suis bête. Ok. Et donc. Je peux rien faire. Si je peux. Oh merde. Quelqu'un dans la douche. Je sais pas du tout quoi faire. Dans tes souvenirs, il faut attendre. Bah ouais, j'attends. Conseil Carole Bartois et prends des screens comme ça, des policiers croiront enfin quelqu'un, ils te prendront pas pour un fou. Ouais, non mais j'avoue que là je peux interagir. Non mais t'es le truc de fou, t'es dans une maison de fou, tout le monde te court après, tu vas prendre un pas. Je ne comprends pas. Ou alors on va se noyer pour tout oublier. Je sais pas. On va voir. Ou alors l'eau va nous absorber. Je sais pas. Peut-être que l'eau va nous absorber. Il y a des mains qui vont sortir, qui vont nous attraper, qui vont nous engloutir. Tout va bien. Voilà. C'est le bain de la purification. Mais je me pose totalement une question. Ben là, on va se réveiller peut-être. Totalement une question, c'est que pour l'instant, comme il n'y a pas de documents, il n'y a pas de... Salut Kenezawa Yoshi. Comme il n'y a pas de documents, etc. Je crois que Julien est avec bébé. Je vais juste aller zioter. Mais je ne comprends pas, ce que Lucy, ça raconte. Supper's ready. Come voilà. On up. C'est la première fois que plus ou moins on comprend un peu Lucy, que ça raconte quelque chose. Je pense peut-être que là ça va nous faire comprendre. Il y avait ce monsieur, enfin cette espèce d'ami imaginaire. Why would she do that? She loved Pico. Voilà, elle a tué son... Ça me fait penser à Sinister. Salut Jason. Bah ouais, la petite, elle avait un... Comment il s'appelle ce monstre que le... qui fait partie un peu pas du... Comment ça s'appelle? Vous savez, ce, le... Bougalone. Le nom m'échappe. Coucou Sam. Sinister, le film. Mais justement, dans Sinister, c'est le...
Vous allez me le trouver. Cette espèce de monstre, en fait, que les enfants voient. Elle est peut-être en danger. Elle a mangé Pico. Boogeyman, merci David. Ça me fait penser un peu au Boogeyman. How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. C'est juste horrible. Du coup, là, vous voyez, on comprend mieux. Au moment où je le dis, on comprend un peu mieux l'histoire, quoi. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Par là. Ah là, il y a la baignoire. Ça fait un peu penser à Eleven. Ouais, elle est tout le temps en train de râler. Elle s'appelle Chichi. Ouais, je vais retourner dans le bain. Donc en fait, en rentrant dans le bain, elle est venue me raconter. Ça fait penser au cercle aussi, bien sûr. Hein. Ça fait très Sadako. Voilà, voilà. Il y a un truc, il y a un délire comme ça. Dans Madison aussi, c'est un peu le délire, quoi. Arrête de lui gueuler dessus, la pauvre petite fille. Voilà, on se noie et on va revenir dans la... En vrai, je pense que là, elle nous a raconté. Mais pour le coup, Tiandi, ouais, j'ai adoré aussi Sinister. C'était génial. Et je pense qu'effectivement, la scène qu'on voit au début, c'est peut-être le père qui les tue et qui suicide, quoi. Et peut-être que nous, on est le père, je sais pas. Je vole, c'est super chelou. Ah, la cassette. Je sais pas qui est Dwayne. Allez, là, la mâchoire, voilà. Voilà, on a fait le chapitre de Lucie. C'est horrible, la pauvre. Pauvre Lucie.
Waouh, c'était et franchement c'était éprouvant quoi. Ouais, charmant. On va aller poser ça. Oui, c'est pour ça qu'on a trois. Elle est là. J'allais aller la poser, mais en vrai, c'est déjà fait quoi. C'est évidemment déjà fait. Salut Ressa. Ouais, la maison est revenue comme au début et c'est étrange. Enfin, c'est étrange. C'est marrant parce que la première fois que j'ai joué au jeu, effectivement, j'ai commencé par l'histoire de la grand-mère. Donc, je pense que vraiment, pour le coup, tu peux commencer par ce que tu veux. Même la sauvegarde, elle fait flipper. T'as sauvegardé, tu flippes. Bah, je pense qu'après, ça va faire ouais, un espèce de visage, quoi. T'as la mâchoire, je pense qu'après... La grand-mère, je me souviens pas, on n'était pas allé au bout parce que je... Alors, il y avait eu un bug sur la démo, mais... la fois d'après, je sais plus, on avait été vachement loin, mais... Je sais plus jusqu'où on avait été chercher son thé. Et après, je sais plus trop ce qui s'était passé, quoi. Voilà, en gros. Bah, écoutez, c'est... Ouais, c'est assez long parce que si t'as... Ouais, parce que là, on en est à... Ouais, 2h30 de jeu. Donc, à mon avis, le jeu... Ouais, le jeu en entier, ça doit être à peu près 7h, quoi. Parce que je crois me souvenir que la... Voilà, là on a rallumé la lumière. Mais la grand-mère aussi avait un délire. Ça y est, j'ai sauvegardé. Parce que je crois que là, du coup, là, ça se situe en bas. Ah ouais, ça fait à peu près 3 heures là, donc c'est... Attendez, je vais rajouter un truc. Attendez, j'ai pas un briquet. Un seul. Ah mais on s'est régalé. On s'est juste régalé. Et je me souviens d'ailleurs qu'avec la grand-mère, on avait un... pied de biche ou je sais plus quoi, on avait une arme quoi. Pour le coup là il se passe plus grand chose, je sais plus. On dirait que la maison elle est redevenue très calme. Parce que je pense qu'en fait il faut relancer un... Je pense qu'il faut choper la... Ah attendez. Non, il n'y a rien là. Que j'ai pas de... Ah mais non, attendez, je vais aller mettre la cassette, je suis bête. Je suis trop bête. J'étais en train de me dire, mais j'ai pas l'élément de suite, mais si. Voilà. La meuf qui a pas du tout envie de regarder. Si, je veux la mettre. Voilà, je voulais regarder en fait. Voilà. Ouais, il n'y a plus trop de bruit. On dirait que la maison elle est redevenue à peu près normale, quoi. Derrière moi qui se passe rien, t'es là.
Là, on va voir une autre image. C'est la cuisine. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Ouais, c'est clair, le Draco. Bah, au moins, j'aurais fait Mamie et Lucie, mais... Je crois qu'on a fait le tour, là. Regardez là, après le tour de manège, si on revoit le même truc. Moi, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Non, il y a cette salle, mais je sais pas ce que c'est cette salle. C'est pas la cuisine. Au début, j'ai cru, mais c'est pas du tout la cuisine. On dirait un genre d'hôpital. Super. Donc c'est la clé pour la deuxième. C'est le symbole Oméga. Celle-là, je ne l'avais jamais. Ah. Peut-être qu'il se souvient que j'ai fait Mamie, alors il me... C'est la truc de papy, ça. Peut-être qu'il se souvient que j'ai fait Mamie. Rakan. C'est marrant parce que j'avais commencé par le chapitre de Mamie, c'est ouf. J'avais fait mais tout le contraire. Tout le contraire. Sainte Marie, Joseph, que votre enfant soit béni. Hein. C'est rigolo. Les yeux omniscients, mais je me c'est peut-être là, pas moyen. Je me demande, et en plus j'ai plus de briquet. Fais voir, attendez, je vais examiner la clé, voir ce qu'elle a. Oui, je vais juste la voir. Non, c'est le signe Oméga, c'est tout là. Elle est bien petite save macaro. Ouais, complètement. Oui. Parce que là, je me dis... on est d'accord que de toute façon, là, c'est pas ça. Où est-ce qu'on avait des portes qu'on pouvait pas ouvrir? Il me semble qu'on avait tellement tout ouvert. Regardez ça. C'est pas ici, ça. Je sais pas où ça peut être. Il y a un machin qui est passé. Ah non, j'ai pas vu. Franchement, j'ai rien vu. Ben, on a plus de briques et rien. Donc on peut aller se faire foutre. Ah. Non, là, on avait tout laissé. Ouvert. La chambre de la mamie, du papy, là, je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'en fait, on avait tout fait dans la maison, donc il y a peut-être le bureau, là. Ah.
Non. C'est pas ça. Tu as fait les toilettes qui relient la chambre de ses parents. Bah, déjà, ce qui est cool, c'est quoi ? Enfin, ce qui est cool, c'est qu'on entend des bruits. On est reparti pour un tour, mais... Pas la seule, on a déjà fait. Il y a que cette pièce-là qui est encore un peu mystérieuse. Ah, oui, effectivement. Mais bon, je sais pas si ça va m'aider, ça. Non. Génial, c'était super. Vraiment là, pourquoi on peut pas effectuer cette action ? C'est verrouillé et rien n'indique qu'une clé est nécessaire. Ok. Vers où il y avait la planche, il y avait une porte fermée, non ? Salut Damien, c'est un visage. Fuyez, pauvre fou. Bah, c'est bizarre. Parce que j'ai la sensation que je peux rien faire. Presque je me dirais, mais qu'il se passe quelque chose, quoi. Pour le coup, il n'y a rien. Ça, c'est la salle de bain. Il n'y a rien, quoi. Je sais, Max, que c'est pas mamie. Je dis, c'est ça qui est marrant. Parce que la première fois que j'ai joué au jeu, c'était mamie. Et là, pour le coup, bah, j'ai commencé par la petite. Et là, pour le coup, c'est papy. J'ai l'impression... Ah, la chaise roulante. Merci, en tout cas. Enfin, je pense que c'est papy. Parce que mamie, c'était pas ça. Ou alors, ils ont changé mamie. Je sais pas. C'est moi, mamie. C'est peut-être moi, papy. Toute la mif, quoi. C'est le fils. Ok. Donc il y a le fils, la grand-mère et la sœur. Ah, mortel. Ouais, ça n'a plus rien à voir. Il y a un mec là. Mortel pour un vendredi 13h. Ouais, ouais, je pense que les... What? Non, mais les pires persos, c'est les What petits the fuck les is mamies. This? It better not be what I think it is. What is this? Who the fuck are you?
Ouais, je pense que c'est des époques différentes. C'est très très possible. There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Vite, quoi. Don't you fucking move, I swear to God! Stop right there! Donc il était là, je vais essayer de retourner où il était, mais j'avais même pas reconnu la maison en vrai. Ouais, ce méchant, je pense qu'on l'a déjà vu. Ce naissant là. J'y vois que dalle. J'ai pas un briquet. J'ai rien du tout en fait. Si. On peut le lâcher. Ok. Comme ça, je prends ça. Voilà. Ouais, petite sauvegarde. Non, parce que je peux dire que quand même... C'est très possible. Ouais, quand on a rentré dans la petite salle. La suite, mais je pense qu'on a quand même bien avancé. J'ai une théorie, Max a une théorie, je pense que c'est la maison qui rend fou les habitants de cette maison, c'est très possible, mais à mon avis c'est plus une histoire d'un drame familial. Thank you.
la chambre de Luffy. J'écoute Robin. Maintenant. Ouais, moi je vois ça comme un drame familial. Après, non, il se passe rien. Il se passe vraiment pas grand chose pour l'instant. Putain, j'ai cru que quelque chose passait, c'était juste la plante. J'ai rien à prendre là, je crois pas. Putain, tu sens tellement que c'est un jeu PC. Les petites tu montes sur les attends fais voir c'est quoi ça en vrai ça c'est les bougies lumière garde-robe allez on va aller voir il y a un petit son bizarre là je pense je sais pas si c'est pas la radio. Oh, le briquet est vide non mais sérieusement ils me prennent la tête tout ça. Qu'on me respire dans l'oreille mais il se passe rien. En plus j'ai pas de médoc. Peut-être en bas. Là je vois pas du tout pose des questions. Ben, vous savez quoi ? On va se garder de façon ce chapitre vu qu'on vient de le démarrer. Franchement, ce serait trop bête de le gâcher. J'ai bien sauvegardé. Ouais, je vais sauvegarder pour un prochain Peur sous la couette. Mais si ça vous dit, parce que du coup, ça changera totalement le... En fait, ça changera totalement d'univers... Enfin, pas d'univers, mais de... Je vais sauvegarder à la 3. Voilà. Non, c'était la 1. On va sauvegarder à la 1. Ou la 3, voilà 3. Mais ouais, comme ça, ça permettra d'aller... Dès que tu sauvegardes, il y a des bruits bizarres. Non, j'ai pas du tout trouvé ce qu'ouvrait la clé. Mais je suis contente parce que franchement, si le jeu il avait pas déconné pour un prochain port sous la côte, si le jeu il avait pas déconné ben on serait passé à côté, enfin on aurait fait une autre fois c'est sûr. Bon, et franchement on a stressé de ouf, c'était le jeu parfait pour un vendredi 13. Et je vais essayer de régler le problème avec les jeux PC, voir ce qui colle pas avec Xbox. Je sais pas trop pourquoi ça a fait ça. Mais merci d'être resté, on s'est bien amusé. J'ai beaucoup streamé ce soir, j'ai pas mal bossé aussi à côté, donc un peu fatiguée, mais franchement je suis contente. On s'est fait une belle soirée. Ouais, prochain stream absolument. Et puis on se garde Lost Alone pour une prochaine aussi. On interchangera peut-être, on verra. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon vendredi 13. Je vous aime très fort.
Ça va être marrant de voir au replay comment il a calculé les trucs, ça va être très drôle. Je vous aime, on se retrouve dimanche pour Resident Evil Mag. Et puis voilà, la semaine prochaine pour plein de surprises. Je vous aime fort, fort, fort. Merci mes modos, merci mes amours, mes Madeleine, merci Hotmail, David, Maël, Alex aussi, Stéphane, Sacred Town, thank you so much, good night. Ma petite Mélissa, Nicolas, Sarah Socoul, Sandra, Pascal Riaz, mon petit Eclipse, Zélia, Télésie, continue à faire flipper pendant que je dis au revoir. Normal, il y a des portes qui se ferment. Tout va bien. Ma petite Marie aussi, ma petite Marie toujours là, Marine, Sébastien, Zimti aussi, Riguelion, ma petite Cristal, dormez bien. On se quitte en musique, c'était trop cool. Je vais aller reposer mon cœur, je vais aller boire de l'eau bien sûr. À demain, bisous.